c'est ça. Et salut les gens! Ah oui, faut regarder ici. Hein. Oui. T'as vu la caméra? À chaque fois, on regarde là, mais il faut regarder. Mais après, on a tellement eu l'habitude pendant longtemps que. Pendant trop longtemps! J'espère que vous allez bien, les amis. On espère que vous passez un bon week-end pour le moment. Nous, c'est un bon week-end, on s'est levé pas trop tard, genre vers 11h30. Vous imaginez, ça va, c'est pas trop tard, ça, honnêtement. Ça va, on a fait pire. Et les amis, il faut savoir aussi qu'on a fait notre sport. Et en fin d'après-midi, on a joué un tout petit peu à Fall Guys avant le stream, les amis. On a fait deux top 1 dans le petit qu'on a fait. Du coup, on se rapproche là. On a trois couronnes en tout là. Du coup, pour avoir les tenues super classe, on vous montrera ça de ces quatre. Mais j'espère que vous allez bien. Et Tim, non. Je suis désolé, Tim, mais 11h30, ce n'est pas tard. Dans notre tête, tard.
c'est genre 16h. Après, Tim, il se couche à 18h vu qu'il est fatigué la plupart du temps. Vrai. Là, dans 45 minutes, ça y est, il dort. Tout le monde, salut-vous, salut Sky, salut Anna, salut Nintendo, salut Flore. Salut. Salut Alice, bienvenue. Salut Slack Dragon, salut Palou. Salut le Stitch. Salut le Stitch. Oh, pas mal les mottes de Stitch. On aime beaucoup Stitch, tu le sais, donc ça n'est plus, tu vois. De mon dessin, je vais pouvoir parler trop bien, là, les petits geeks. Ah bah, n'oubliez pas, les amis, sur le Discord, vous pouvez partager tout ce que vous voulez. Hein. Oui. Donc n'hésitez pas, parce que moi, franchement, voir mon petit dessin à chaque fois, je trouve ça toujours trop trop cool. Hein. Ah ouais, mais le Stitch, c'est toute la panoplie en plus, là. C'est la tunette, comment tu vas? Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous? On s'est pas vu hier soir, on est désolé, mais on était crevés, surtout que hier soir, il faisait encore très chaud. Mais aujourd'hui, ah bah 28 degrés, on l'a marqué dans le titre, ouais. Max de la journée. Donc du coup, on s'est dit, là on tape fort les amis, on refait un stream, ok. il est pas fini mon dessin, il me reste 4 cases vides. Ok, ça va, petit geek. Pardon, sur ça. T'inquiète, mais du coup, aujourd'hui, on va, là pour ce live, on va se concentrer sur du coup le Paper Mario The Origami King. Parce qu'on va trop avancer, il y a plein de petits trucs. Il y a plein de trucs trop cool à faire et tout. Il y a plein de petits trucs à découvrir et tout, il est trop bien. Du coup, on va voir la suite. On exactement. A des rubans à dérouler. Exactement, exactement. Mais les amis, on va en profiter qu'il y a cette musique pour vous dire un truc. C'est pas la première fois qu'on fait ça, mais on aimerait bien ensuite faire une bonne pause et ensuite repartir pour un live. Et on s'était dit, là, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, on pourrait peut-être vous faire des jeux multijoueurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre faire du Mario Kart ou autre chose? N'hésitez pas à nous dire. Voilà, on en reparlera peut-être jouer dans ensemble. Le live. Mais voilà, on s'est dit que ça pourrait être sympa quoi. Moi, Palou, je t'avoue que je suis pas un amateur de sushi. Ouais, on n'est pas amateur de sushi, mais les amis, la fibre, ça. La fibre. Ah, la fibre, la ça, fibre, par contre, c'est pas contraire. C'est une amie éternelle. Clairement. Non, on a tous besoin de la fibre. Enfin, on a tous besoin d'une moi, super moi, je regarde Naruto Shippuden, je suis au 100ème épisode. Bah, je crois que c'est pas mal, mais je crois que. Il y en a quand même beaucoup des épisodes en tout. Je sais plus, t'avais tout regardé toi, il y en a ah oui, moi j'ai tout regardé et ouais, je pense que t'en as au moins 500 quoi. Ah oui, mais, en fait, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. 100 c'est pas mal, mais disons que t'as pas encore fait la moitié du chemin. Salut Megil, j'espère que tu vas bien. Petit geek, effectivement, il a raison de le dire, les amis, pas de spoil s'il vous plaît, lors de la partie de Paper Mario. C'est tout ce qu'on demande. Mais je peux pas, Bouygues ne veut pas. Oh, Palou, je suis désolée. Super Smash Bros, le truc et le problème avec Super Smash Bros, c'est que c'est vachement restreint comme jeu. Oui. Tu sais, c'est un peu comme Fall Guys, tant qu'il n'y a pas les serveurs privés, ça veut dire que tu peux jouer avec 3 personnes et après c'est fini. Mario Kart, le truc est trop bien, c'est que tu peux jouer jusqu'à 12 quoi. Bah, et puis même, et ça, c'est cool. Je me souviens que sur Smash, ça avait quand même tendance à bien laguer sa mère. Bah, dès que les gens ils commencent à avoir une mauvaise connexion, effectivement, c'est. C'est complexe, c'est complexe. Mais ouais, moi si vous me dites que vous êtes chaud pour un Mario Kart 8 ce soir, écoutez, on pourrait partir pour un truc comme ça. Hein. Mais ceci, ça vous dit quoi. Et n'oubliez pas de vous hydrater. Nubi l'a dit tout à l'heure, mais on espère que vous avez pris votre goûter aussi. Oui. De quoi bien vous manger. Avez, quoi. Vous avez de quoi grignoter ou pas? Genre, je sais pas, soit peut-être des popcorn salés, peut-être des popcorn sucrés, peut-être des popcorn caramélisés, peut-être que c'est pas des popcorn, peut-être que vous avez de la glace. Nous, on a des napolitains, on a des cookies, on a des granolas en bar, on a du nougat. Enfin voilà. C'est trop le nougat, moi j'aime pas ça. Ouais, je sais. Mais du coup, on a de quoi faire. Ouais, les gâteaux, mais guide, bien évidemment. Moi j'ai déjà mangé un pain au chocolat, il était bon, Martin. Il était bon ton pain au chocolat. Et c'est. Ah c'est vrai, t'aimerais Mario Kart à Nao. Ok, mais je crois que justement c'est Nao qui aime bien manger des croissants le matin aussi. Ah non, elle aime bien des croissants. Ouais, je comprends. Elle aime bien des croissants et des crêpes. Mais je vais pas assez à la boulangerie pour ça, moi. Je vais pas assez. Mais il faudrait que je le fasse, mais j'ai pas ce réflexe-là. Non, il faut pas qu'on fasse ça, c'est un réflexe typiquement français. Oui, mais il faut qu'on en profite d'avoir ça. Mais non, c'est trop con, on va prendre une habitude qu'une fois qu'on sera à l'étranger, on devra perdre, c'est complètement débile. Bah, autant pas prendre l'habitude du tout. Peut-être. Et n'hésitez pas à nous dire pour le son, hein, parce que au dernier stream vous nous avez eu pour ça. On espère que vous nous entendez bien les gens. Oh Yobi, ou un bout de deux, je me pose une question. J'ai dessiné sur ma trousse. Je pense que tu peux le poster dans partage, le petit geek. Ah, t'as customisé ta trousse de cours. Ah ouais, il y en a qui aiment bien faire ça, mais moi je l'ai jamais trop fait ça. Les fonds de tiroir, c'est les fonds de tiroir, pas loup. Bah après, les petits beurs, c'est bon aussi. Hein, les petits beurs, c'est lui qui fait ça, je crois, hein, c'est ça.
Je crois qu'il n'y a pas que qui font ça. Ouais, il y en a plein qui font ça. La plus connue, ça doit être ça. Ok, merci, non, mais pas de soucis. Non, mais tant que vous vous régalez, c'est parfait. Hein. C'est pareil Est-ce si vous avez de la glace. Est-ce qu'on passe sur le jeu ou pas? Ouais, moi ça me va. Je jouer. Bah, je sais que t'as envie de jouer. On peut jouer. C'est les Miss Léona 51, j'espère bien que tu vas bien. Bienvenue à toi, bienvenue j'espère à toi. Que tu vas bien. Bon, les amis, sans plus tarder, on va aller sur le jeu. On va vous rappeler, bien évidemment, où est-ce qu'on en était. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On espère que vous est-ce nous que, entendez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire si au niveau du son c'est bon ou si c'est pas bon? Mais en fait, du coup, je t'ai mis plus à gauche, mais du coup, voilà. Ok, là, je suis bien. Donc, du coup, Paper Mario, les amis, la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, on essayait de rejoindre le temple de l'eau. Donc là-dessus, pas de soucis. Et en fait, on a besoin de Bombi pour activer, tu te rappelles, un genre d'interrupteur, une stèle, pour qu'on puisse ouvrir la porte du temple de l'eau. Mmh. Sauf qu'on a perdu Bombi. On l'avait retrouvé, Bombi. Non, non, on l'a pas retrouvé. On a perdu Bombi dans les hautes herbes. Et oui, du coup, maintenant, on l'a pas retrouvé. Si. Non. Je suis presque sûr. Non, on l'a pas retrouvé. T'es sûr? Ouais, bon, regarde, Bombi, il est pas avec nous. Ah ouais? Ouais. Bombi, il est perdu. Moi, je croyais qu'on l'avait retrouvé. Je croyais qu'on l'avait retrouvé, mais en fait, on l'a pas retrouvé du non, tout. On l'a pas retrouvé du tout. C'est un carnage! En fait, il est là-bas, abandonné, tout seul. Exactement, on va le rejoindre. Temps de cruauté. Oui, oui, on est dans Zelda. Et alors? J'aime bien Mario Kart et c'est surtout quand c'est un cas de famille. Non, mais c'est vrai que quand on joue tous ensemble, moi, je trouve ça trop cool à chaque fois. Donc là, on va juste rejoindre l'endroit où on avait été la dernière fois. En fait, il fallait qu'on saute du pont et c'était là où on s'était arrêté. C'est juste moi qui suis revenu en arrière pour faire de l'entraînement, en fait. Il avait fait les salles de combat. Voilà, je voulais m'entraîner. Ah oui, non pardon, c'est pas là. Ça, c'est pas le truc de fax. Allez, vas-y, on fax au voyage. C'est salut le verbe. Salut Soupa, comment vas-tu? Salut Soupa. Marion. Salut Marion. Ça va très bien et toi, comment vas-tu, Marion? Oh, merci beaucoup. Oh merci. Non, mais on n'a pas sauvegardé la scène. Oh, je suis désolé, on te réaffiche ça. On te réaffiche ça, comment il ne devait pas y avoir le verbe. Comment on a pu zapper ça? Attendez. Ok, là c'est attendez, bon. J'enregistre la scène parce que voilà, ça va emmerder une autre fois. Papa Mario Origami. Non, mais attendez quoi. Quelle indignité quoi. Deux fois qu'on se fait avoir. Merci beaucoup Mario. Merci infiniment. Qui a pris l'abonnement de niveau 1. Vague de GG pour elle. Quatrième mois. Du coup, attendez, on réaffiche ça de manière propre. Voilà. Le bêta de Marion qui réclame de l'attention. Merci à toi. Merci beaucoup, merci Marion. Merci beaucoup à toi, Marion. Coucou Adams, comment vas-tu? Salut Adams. Merci beaucoup, Marion. Ça nous touche beaucoup. Merci. Vous le savez, maintenant qu'il n'y a plus Utip, les subs, c'est vraiment la manière la plus simple de nous soutenir. Donc ça nous touche. C'est mon gif préféré de tous, lui. Il est trop mignon, trop mignon. Ah bah écoute, je sais pas. Repose-toi bien et profite. Hein. Donc du coup, si vous me souvenez, de l'énergie nécessaire pour vous suivre. Cool, Soupa. Si on a réussi à donner de l'énergie, c'est cool. Si vous souvenez, en fait, il faut aller au niveau du pont. Merci Adams. Merci beaucoup. Le bêta de Adams qui affronte Porcella. Merci beaucoup. Merci vague beaucoup. De GG pour Adams, les amis. C'est ton 13e mois. Merci 13e beaucoup, mois. Adams. 12 mois consécutifs en plus. En plus, avec ton Prime, merci infiniment, Adams. Merci. C'est beaucoup. Un honneur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de GG dans le chat. Merci. Merci, merci. Vous êtes adorables, les gens. Du coup, voilà, on était arrivé ici. Et là, du coup, c'est à partir de là qu'on recherche Bombi qui va nous servir à aller au temple de l'eau, quoi. Et salut Lulu, j'espère que tu vas bien. Coucou Lulu. D'ailleurs, le son des gifs était bon, hein. Moi, j'avais l'impression ouais. qu'on entendait bien, hein. Mais vous nous dites s'il y a des soucis de son, hein, les gens, ouais. que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau des gifs, que ce soit au niveau des notifs. Ouais, on préfère être sûr. Vous hésitez pas. La musique, ça me disait quelque chose, j'ai l'impression. Caisse indestructible, parfait, mini trésor. Ça, ça fait plaisir. En fait, ce type va mieux, bah on sait pas trop comment ça va de leur côté, mais en gros, il y a toujours pas les pubs quoi. Oui. Salut Dorilo, j'espère que tu vas bien. Eh, hey, par contre, c'est Bobomb ou Bobby? Mais nous on l'appelait Bombi, mais vous préférez c'est qu'on l'appelle Bobby? C'est à vous de nous dire. Comment va-t-il, Dorilio? Le son du jeu est pas très fort, c'est vrai? Attendez. Moi je le trouve fort dans mon casque, mais apparemment c'est pas du. Faut pas que je me fie à ça du tout. Là c'est mieux? Est-ce que là on est nickel? N'hésitez pas à nous dire. Parfait au niveau du son. Ok, ok. Attendez les gars, je vais en profiter, je vais en réenregistrer la scène. Attention, oui, parce que là. C'est bon. Mais on est d'accord qu'il y a une partie de la musique de Mario qui ressemble à une autre musique de Mario, quoi. Dis que tu travailles dans l'informatique, c'est quoi en particulier? Alors, Hatsunet, c'est très simple. Je travaille dans l'informatique.
Est-ce que c'est suffisant pour toi? Non, en vrai, en gros, je suis développeur de base. C'est-à-dire qu'en gros, on me demande de développer des logiciels et du coup, je les développe. Voilà, en fonction des besoins et tout. Pour vous dire, par exemple, de manière un peu plus précise, vous savez que dans les boutiques, il y a un truc qui s'appelle le click and collect. Il y a McDo qui font ça, par exemple. Et du coup, moi, je suis en train de développer ça, une partie. Coup dur. Parce que je suis pas tout seul. Pour qu'il y ait click and collect aussi. Voilà, voilà. Comment vas-tu? Ah bah oui, Adam, ça a eu des gros changements sur le live. T'as vu ça un petit peu? Oh, Bombay! Oui, il est là. Ok. Comment on va le choper? Ou Bobby, si vous préférez. Oh, attendez. Il y a un Todd. Il est dans l'arbre, mec. À tous les coups. Non, il est pas dans l'arbre. Ah, oh, je suis déçu, je croyais qu'il était dans l'arbre. Ouais, moi aussi. Salut, Tamgan, comment tu vas? Ils sont beaucoup là. Ouais, ouais, je vois ça, je vois ça. Redisposer les ennemis. Alors... La première ligne, ouais, moi j'aurais fait... Déjà, ouais, ça. Eux, ça, ça me paraît cool. Ouais. Et bah nickel. Ok. Les gars, est-ce qu'on n'est pas des pros, nous? N'hésitez pas à le dire. Hein. On aime bien quand vous vendez un peu notre skill. Parfait. Encore des bots. Tac, 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 tac. Parfait. Bon, sinon, du coup, on va vous poser la question. Parce qu'en ce moment, avec Nubi, on a fini de re-regarder The Boys. Mais du coup, qu'est-ce que vous regardez en série, vous, en ce moment? Parce qu'on attend le The Boys saison 2 qui arrive le 4 septembre. Faut aller et profiter surtout que la chaleur se calme. Et vous, bah, nous, c'est pareil. La chaleur commence à se calmer un petit peu, là. Du coup, ça fait du bien parce que les dernières semaines, c'était complexe de respirer. Marché. T'avais raison, il était dans l'arbre, mais il était dans les boules de pique. Ils sont trois. Nous sommes le trio châtaigne. Merci de ne pas nous retirer. Oh, qui aime bien manger des châtaignes? Moi, j'adore. Mais moi, le truc, c'est que tu sais qu'on allait au marché. Tu sais, ouais. Des fois, j'en prenais. Mais c'est dur de savoir si t'aimes les châtaignes ou si c'est juste qu'elles sont mal cuites, tu vois. Parce que je sais que des fois, on en a mangé qui n'étaient pas fameuses, tu me disais. J'ai fini The Rain! Oui, c'est vrai, Lulu, j'ai vu tes tweets là-dessus. Ah, t'inquiète, Palou, ça nous fait trop plaisir aussi, t'en fais pas. Je l'ai presque fini. Patissimatix, mais pour le moment. En fait, donnez-nous des indices uniquement si on vous les réclame si et qu'on vous les supplie. Vraiment. Voilà. Si on vous supplie pas, il faut pas nous les donner. Il faut vraiment qu'on commence à pleurer, quoi. On va ouvrir le coffre. Millie, oh, le panneau indicateur! Sans te prendre. Ça me fait plaisir, ça. Alors, du coup, attendez, on sauve Bombay. Et c'est bien, Palou, du coup? Superlem! Mamselle Olivia, vous m'avez sauvé! J'ai pas fait exprès de tomber de ce pont, promis juré! Je suis vraiment un boulet, désolé. Sif, mes deux meilleurs amis qui me sauvent la vie. Je chérirai toujours le souvenir de cet instant. Ce n'est rien, va. On est juste soulagé que tu n'es pas explosé. C'est vrai que c'est une bombe à la base. Bah donc ouais. Si tu tombes, voilà. Exactement. Mais il faut que tu sois plus prudent, Bobby. Tomber des ponts, ça n'a jamais été très bon pour la santé, c'est vrai. Nous, mais tu vois, il était pas dans les hauteurs, mais il est tombé du pont. Ouais. Sniff, Bobombe, mamselle, pas Bobby. Mais je ferai attention, c'est promis. Je tournerai 7 fois mon pied dans ma chaussure avant de le poser. On peut s'en aller maintenant? J'ai du mal à me détendre avec ces boules à pointe dans les parages. Ok, ok, Bombay. Du coup, on va remonter. Je pense qu'on doit pas être trop loin. Du coup, à partir du moment là où on a retrouvé Bombay, eh ben, on va pouvoir tout simplement... débloquer le passage ouais, pour aller au temple là. Scudos. On va sauvegarder, écoutez. Hein. Ah, M10Do, en vrai, le professeur Layton, ça fait toujours plaisir ça. Je serais curieux de vous voir pleurer. Oh, vous avez déjà réussi à nous faire pleurer en vrai. Enfin, moi, du moins, vous avez déjà réussi à me faire pleurer de joie en live. Hein. Plus d'une fois. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Umbrella Academy, c'est trop cool avec Nubi, on aime beaucoup. Hein. On aime beaucoup Umbrella Academy. Oui, Umbrella Academy, j'adore. On vous êtes déjà affronté ces petits gars? Ça me dit rien du tout. Attendez, c'est quoi le souci là? Ok, le souci, c'est que là, on a un Goomba. Il est vénère. Je sais pas ce qu'on peut faire avec eux. Attends, parce que du coup, en gros, il faudrait que je le descende. Comme ça. Et ici, je fasse genre ça.
Je pense pas qu'il y en aura toujours un qui est pas bon. Ouais, là je sais pas comment faire, je t'avoue. Ah oui, ce fucking pattern, tu t'en souviens, Tengen? J'avoue, j'aime trop. C'est vrai, Nao. Moi, les Layton, j'ai un vrai problème, c'est que j'ai aucune patience. Vas-y, on paye un petit peu, on paye un peu de sous, quoi. C'est bien Umbrella Academy, j'hésite à dire, moi j'adore Lulu. En fait, ce qui est trop bien avec Umbrella Academy, c'est vraiment, enfin pour moi, hein, c'est vraiment les musiques et tout. Et puis l'ambiance et tout est vraiment sympa. J'adore, hein. J'adore leur manière de tourner. Les acteurs sont incroyables. Genre, le mec qui joue 5, c'est un acteur, ouais. Le mec il a 16 piges, meuf. Voilà, là je comprends mieux. Il est né pour l'acting, quoi. Il est trop fort, cet acteur. Ah, j'aime beaucoup, moi aussi. Hein. Les musiques sont super bien choisies et j'adore la manière dont les plans sont tournés. Et c'est trop stylé. C'est trop stylé. J'adore Umbrella Academy. Moi, j'avais adoré les professeurs Layton. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Moi, je crois que j'en ai fait un. Et genre, je me souviens d'avoir tellement pas eu la patience que j'ai fait non. Je commence pas. C'était trop dur. Je comprends. Mais en vrai, du coup, celui que j'avais fait, c'était un des tout premiers. C'était le village étrange, je crois. Un truc comme ça. Et ce que j'avais adoré avec le professeur Layton, c'était vraiment que le scénario il était vraiment cool. Parce que pendant tout un truc, tu te dis ouais, c'est cool et tout. Et à la fin, le rebondissement, il était trop bien, tu vois. Et genre, le rebondissement du village perdu, je m'en rappelle encore et c'était trop trop bien, quoi. Est-ce que je peux spoiler pour le professeur Layton ou pas? N'hésitez pas à me dire, c'est le village perdu ou le village étrange, un truc du style. Carapace tournoyante, ok, ça marche. Ah, on a tous les trésors ici. On a tous les trésors. Non, spoil pas. Coucou Valérian. Sky. Alors, moi je spoil pas alors. Je ne spoil pas, mais en vrai, c'est vraiment cool. Faut vraiment avoir de la patience. Tu crois que tu l'as pas encore fait? Ah, ouais, Sky, t'es sûr? Non, c'est un des premiers. Hein. On est foutu. Bombi, il s'est fait exploser, mec. Bombi est mort. Faut vraiment se poser et prendre le temps de réfléchir quand tu y joues. Faut être patient. Ouais, c'est pas un truc que... La patience, c'est pas une de mes qualités. C'est encore, pas... encore. Vas-y. Voilà. Bien vu. Ah ouais, d'accord, Sky, je vois. Non, mais je vais pas vous spoiler alors. Mais en vrai, c'est vraiment cool. Ben, en vrai, Tengen, en fait, hors live, j'essaie de m'entraîner du coup pour les patterns et tout. Parce que je me suis dit ça peut vraiment être cool. Le seul problème c'est qu'en fait je pense que c'est parce que je suis pas assez loin dans le jeu. Mais j'avais qu'un niveau de débloqué. Donc du coup j'étais en mode. Ouais, je pense que c'est parce que t'es pas assez loin dans le jeu aussi. Du coup faudrait que je revienne plus tard. Mais voilà. Ah non Lulu, vas-y fonce hein. Non, il y a des moments où on y arrive plutôt bien les patterns quand même. À peine on fait quelques pas qui disparaissent de nouveau. C'est vrai. C'est vraiment pas sérieux tout ça, c'est vrai. Je me demande s'il ne fait pas exprès de s'attirer des ennuis pour qu'on s'occupe de lui. Tu crois qu'il ferait par son entrée? Mais c'était fait exprès que je perde le Bobby ou pas? C'est rien. On fait le truc. Mon préféré, ce sera toujours le crossover Professeur Layton et Phoenix Wright. Mais tu sais que j'en ai rêvé de celui-là, mais je l'ai vraiment pas fait. Mais Phoenix Wright, j'aimais beaucoup. J'en avais fait un aussi sur les R4 DS là. Tu sais, où vous craquez les jeux et tout. Et j'avais trouvé ça trop trop bien parce que... Bon, c'était vraiment en mode avocat où tu cherches à faire passer l'autre aux aveux et tout. C'était vraiment cool, j'ai bien aimé. Un trou, là. Vous avez joué à Microsoft Flight Simulator? Alors je t'avoue que à vue de nez comme ça, ça m'intéresse beaucoup pour faire les voyages, tu sais, l'aspect goodies. Mais je sais pas du tout si on pourrait le streamer avec vous par contre. Parce que tu sais, ça m'a l'air assez lourd comme jeu. Je sais pas si t'es d'accord, Gwen. Ben, je sais pas de quoi tu me parles. Mais tu sais, c'est le jeu d'avion. Ah oui, effectivement, je pense que ça sera peut-être probablement jouable avec le prochain setup, mais avec ce setup-là, à mon avis, ouais, c'est ce qui me fait un peu peur, quoi. On fait le combat parce que je pense qu'il y a un tas de... La R4, la fameuse. Ah, ah ouais, c'est scripté, ok, super, ça marche. La R4, oh my god. J'ai passé tellement de temps là-dessus. Oh, Dragon Quest Builder 2, ça fait tellement longtemps, les amis. Et Dragon Quest Builder 2, c'est un jeu qu'on a passé beaucoup de temps. J'ai un doute, tu l'as toujours sur Twitch ou pas? Non. Non, non, parce qu'au bout d'un certain temps, les rediffs sur Twitch se suppriment. Ouais. Du coup, non, j'ai pas le let's play sur Twitch. Et je crois pas qu'à l'époque, je l'avais foutu sur YouTube. Donc non, je suis désolée, ça va pas être possible pour vous de retrouver... Il m'en manque un. De retrouver tout ça.
Mais tu te rappelles, Bouddha, le Dragon Quest Builder 2 là? Oui. On en a passé du temps dessus, hein, quand même. Mais je comprends pas, pourquoi tu les mets pas là? Où ça? De quoi? Bah là, ceux-là. Tu les mets là. Ah, comme ça, et après tu prends le fais dernier ça, et tu le mets là. Ah, j'étais à une seconde. J'ai perdu 300 pièces à une seconde près. C'est pas grave. Mais en fait, je pensais à un truc plus compliqué. C'est con, hein, mais voilà. Mais impossible de trouver le jeu maintenant, ou alors le jeu coûte une blinde. Ah, ça c'est vrai. Marteau. Ah oui, mais du coup Matix, le streamer que tu cites, il a une config de taré en fait. Et ouais, ça paraît assez logique qu'il le fait tourner du coup. Bon, par contre, il est où le Todd, les amis? Il y a un trou là-bas. Parce que là, c'est pas dans loin. Le sol. Ouais, t'as raison, c'est peut-être là, il est caché en fait. Attendez. Ah, il est là. Wow. La main. Oh, c'est trop plus. Oh, ça fait trop plaisir. Ouais, c'est trop cool. Voilà. Phew, merci Mario. Ces châtaignes sont une vraie plaie. Si tu t'es pris une châtaigne de trop, n'hésite pas à appuyer sur Y pour te réveiller avec un beau champi. Yes, on a trouvé le Todd, c'est tout ce qui compte. Mais c'est Bombi qu'il faut qu'on retrouve aussi. Mais le Microsoft Flight Simulator, j'ai regardé un petit peu sur internet parce que il me semble que le jeu est vraiment magnifique. Et tu sais, c'est toujours sympa de voir un peu les endroits où tu habitais. Tu sais, ce genre de choses, tu sais, c'est vachement cool quoi, parce que c'est ultra bien foutu, c'est ultra stylé quoi. Faudrait que je te montre un jour, vas-y, si Valerian. Mais effectivement, Dragon Quest Builder, à l'époque on y jouait beaucoup et maintenant, je sais pas. Après, c'est normal, hein, c'est un jeu. On est passé à autre chose quoi. On a tous des passages en fait. Bah oui. Il y a un moment, on est à fond sur un jeu et puis après. Mais il était très bien, Dragon Quest Builder 2, hein, vraiment. Hein. Bombi, il est là-haut, faut qu'on aille le choper. Je pense qu'il faut que je fasse le tour. Par là? Bah, je pense, hein. Pas trop le choix. Palo qui lui dit: quand je rentre, je joue à Ninja Lac, ils ont enfin corrigé un bug qui fait qu'on ne pouvait pas jouer avec des amis qui sont à l'étranger. Ah ouais, et ta meilleure amie vit au Canada, d'accord. Et vous savez, de temps en temps avec Nubi, le soir, on regarde les streams de Locklear. Parce que on aime bien, on aime beaucoup même. Et il faut savoir que lui, justement, c'est. T'avais pas eu le trou? Ouais, j'ai pas fait exprès. On a beaucoup ce cliché, c'est le cliché. On a beaucoup ce cliché comme quoi le Canada c'est un peu vraiment cool en termes de pays étrangers et tout. Et lui il disait que ça l'a pas plu du tout, il a déménagé donc. Du coup là-dessus, moi ça m'a vraiment fait changer d'état d'esprit là-dessus. Et du coup, je sais pas si vous avez des expériences différentes là-dessus ou pas. Mais c'est vrai qu'on se dit tous, ouais, vivre au Canada ça peut être super cool. En plus, il parle français donc t'es pas entièrement dépaysé et tout. Mais du coup, je me pose la question quoi. Et je pense que si je tombe ici, Nubi, ah bah je ne peux pas. Tu peux pas? Ah mince, on aurait peut-être pu tomber sur Bobby. Parce que moi je voulais tomber sur Bobby en fait, ouais. Attendez, je vais regarder, mais comment. Mon Joy-Con Drift a été infâme sur la scène. Je sais que quand Katosé elle avait encore son Joy-Con Drift, le petit geek il était immonde son Joy-Con Drift sur Animal Crossing, c'était le pire quoi. Bon, pour ceux qui ont le Game Pass et qui veulent Microsoft Flight Simulator, il est dessus. Ça, c'est intéressant, tu vois. Parce que juste pour tester un petit peu, ça peut être grave cool. Bon, par contre, ah, il y a un tuyau. Il y a un tuyau, on vient de le voir, je ne l'avais pas vu. Comment rejoindre le tuyau, tu crois, Nubi? Là, tu peux pas casser? Si, si, mais c'est juste ça. Il y a un tuyau pour rejoindre Bobby. Mais où est-ce qu'il est, le tuyau? Mon frère Frédéric est parti vivre à Montréal et ça lui plaît bien. Bah tant mieux Sky, hein, tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que c'était vraiment le seul retour d'expérience que j'ai eu un peu avec quelqu'un qui était au Canada. Qui est limité avec ACNH. Alors voilà pourquoi je rejoue à Dragon Quest Builder 2. C'est vrai qu'avec Dragon Quest Builder 2, tu pouvais pousser la personnalisation vraiment très loin. Le gros avantage de Dragon Quest Builder 2 que je dirais toujours aussi, c'était que les PNJ, ils utilisent ce que tu construis, oui, quoi. Et ça, c'était quand même le feu, quoi. Parce qu'Animal Crossing, quand tu mets des meubles et tout, ils peuvent appuyer sur A, mais ils feront jamais rien dessus, tu vois. Ils vont jamais travailler, la pêche, ils vont jamais vraiment pêcher, ce genre de choses, quoi. Mais je peux comprendre qu'on se sent limité dans la CNH, après... Salut Fritter, j'espère que tu vas bien. Après, Animal Crossing n'est pas du tout un type de jeu comme Dragon Quest, quoi. C'est pas du tout le même but en soi, mais voilà, quoi. Au niveau de la créativité, je vous comprends. Il y avait pas un tuyau ici qui menait nulle part? Ah ouais? Je sais plus, je crois me souvenir, mais je me trompe peut-être.
Je sais pas, mais du coup, je sens qu'il est obligé d'avoir ce tuyau. Y'a pas un tuyau là? Non. Ah merde. Merde! Non mais en vrai, je pense que si Yubi elle relançait Dragon Quest Builder 2, elle trouverait de quoi faire. Hein. Yubi elle avait fait des trucs vraiment cool. Hein. Tu te rappelles, j'avais fait un sous-marin, et tu sais, qui menait à la piscine dans ton temple. Merci. Je me rappelle. J'ai commencé Fall Guys, mais je suis nul, arrête avec être friteur. Mais sinon, nous, ça va très très bien, et j'espère que t'es content de tes vacances. Hein. Par contre, du coup, je vais vous poser. Oh! Il y a un tuyau là-bas. C'est peut-être lui? J'ai failli vous supplier. Hein. Ah oui, Divinity 2, ouais, je connais Anao. Je sais pas si toi t'aimerais bien Ubi ce genre de jeu. De quoi? Divinity 2, c'est un RPG qui est vachement poussé et tout. A voir. Je sais pas du tout. A voir, à voir. Et Oublette, en ce moment, Oublette, tu joues un peu moins du beat, toi, je crois. Mais moi, Oublette, je joue un peu moins dans le sens où j'ai quasi tout fini, en fait. Effectivement, du beat. Non, ah mais, non, le tuyau est meilleur. La vérité, non, parce qu'en soi, c'est un jeu de farming, donc en soi, t'as jamais réellement fini. Surtout que collectionner tous les Oublettes, voilà quoi. Mais c'est juste que j'aime bien jouer avec nous pour attraper les Oublettes. Genre, moi, mon truc, c'est optimiser la ferme sur Oublettes. Et j'aime bien quand je joue avec Noob parce que Noob il adore faire les combats avec les Oublettes et On se répartit les tâches quoi. Ouais, on est une bonne équipe sur Oublettes. Bon ok, je vais commencer à vous supplier, il est où tu veux pour retrouver Bombi là? C'est quoi ce bordel? La musique elle fait penser à Zelda des fois. Ah Breath of the Wild. Wow wow. Non mais, pourquoi tu retournes? Je sais pas. Ah ouais, c'est bon. De mémoire, c'est dans la forêt où il est coincé. Ah ouais. Donc logiquement, je devrais pas galérer à le trouver plus que ça alors, normalement. Je crois qu'il fallait retourner un petit peu en arrière. Ah, j'aime pas ça, ça me frustre quand ils sont pas. Mais t'as pas compris? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment c'était avant, c'était mieux. Comme ça? Ouais. Et ouais. Là, tu prends lui. Non. Lui. Et tu tournes. Oh, mais je suis trop débile des fois. Ah, des fois, je suis trop débile. Va vers Bombi. Il faut retourner vers Bombi. Ok, ok, je retourne vers Bombi. Excusez-moi. Mais ouais, sur Dragon Quest Builder 2, je me rappelle bien avoir fait des trucs vraiment sympas dessus. Tour de Mario. Je sais que c'est dans la forêt car la première fois que j'ai pris la sortie, j'étais avec lui. Ok. Mais je sais pas, c'est juste que des fois j'imagine des stratégies qui sont trop poussées pour rien. Des fois je me dis ah ouais mais si tu faisais ça et tout. Mais non, des fois tu prends le truc et tu tournes quoi. Et bon voilà, ça c'est mon problème. Hein. Bah nous de toute façon les jeux du moment les amis avec Mubi là c'est vraiment Fall Guys. Paper Mario, on adore jouer avec vous. Et ouais, on aime bien jouer à Oublettes aussi. Hein. Oublettes et New Horizons, toujours un petit peu, même si. Moi, un peu moins quand même, New Horizons. Ça. New Horizons, j'attends certains matchs quand même. En fait, il y a vraiment des persos qui me manquent beaucoup, comme Astrid. Astrid me manque atrocement. Ah, et Robusto vois, aussi me manque beaucoup. Mais même, tu vois, le fait que par exemple. Les rêves, t'es obligé d'avoir le code, ce genre de choses, tu vois, c'est quand même chiant quoi. Bah c'est vrai qu'avant on pouvait visiter des rêves. Faut que ça soit aléatoire, c'est plus sympa. Mais bon, oh mince, faudrait que je rachète des bottes brillantes, je crois. Pas le choix. Vous avez déjà vu des hackers dans Fall Guys? Non, moi j'en ai jamais vu. Mais après, j'ai vu des tweets par rapport à Fall Guys et les gens disaient que. Enfin, les créateurs disaient qu'ils allaient les ban et tout, qu'ils étaient en train de bien voir des ça quoi. Pour, par contre, ce qui fait rire, c'est que les hackers dans Fall Guys sont extrêmement nuls. Du coup ça me fait marrer quoi, ça me fait vraiment marrer de ouf. C'est vrai que c'est assez drôle de les voir tricher pour perdre. C'est quelque chose, j'imagine que tu triches sur Fall Guys, c'est assez fascinant. Déjà faut déjà pas avoir beaucoup de race pour tricher sur un jeu comme Fall Guys.
Mais en prime de ça, tu triches et tu te foires, donc t'es vraiment pas doué, mec. Genre, il y a un vrai problème. J'ai joué à la démo de Dragon Quest Builder 2, ça m'a beaucoup plu, mais je suis pas assez riche. Pour acheter, je comprends pas le. Non, en vrai, tu t'achètes plus de jeux quand tu gagnes ton argent, quoi. C'est logique. La fonction online de Dragon Quest Builder 2, d'ailleurs, je sais pas si Dragon Quest Builder 2, je crois qu'il était disponible sur plusieurs plateformes. La fonction online avait quand même tendance à laguer pas mal sur la Switch. Bah, en fait, tout dépendait si ta ville a été remplie ou pas, quoi. Oui, mais normalement, il est censé pouvoir supporter le jeu, même si la vie, elle est pleine. Bah, le problème, c'est que c'était pas le cas, ouais. Mais c'était même pas online, hein. Je crois que si tu remplissais vraiment ta ville, ça ramait déjà. Si t'avais tendance à avoir une île vraiment très chargée, ouais, où t'avais énormément de constructions dessus, tu te retrouvais comme une grosse nouille parce que là, ça laguait, c'est mort, mais ouais, genre vraiment, et c'était trop dommage, quoi. Tu t'investis, tu fais de la construit, tu fais des trucs de fou, et au final ça se met à laguer, c'est mort, et là t'es là, un peu dingue. Dragon Quest Money est toujours à plat, mais c'est le truc. En vrai, je comprends totalement le fait de remettre à plat pour reconstruire de zéro, mais c'est le truc, genre, ça m'angoisserait, j'arriverais pas à le faire. Non, non plus, j'arriverais pas. J'aime bien imaginer petit à petit, tu vois, c'est. Voilà, c'est comme ça que je vois. Remettre tout à plat, ouais, ça serait trop compliqué pour moi. Merde. Waouh, ça t'a fait carrément descendre. Ouais, il faut que je fasse gaffe. Donc en vrai, je comprends Anéo, en vrai. Attends, juste, y'a un truc ici ou pas? Non, y'a rien. Non, y'a rien. Attention. Laissez-moi tranquille. Eh, c'est compliqué avec la châtaigne. Non, mais... Mais ça spam. Ouais, c'est bon. Ah, faut être rapide, les gars. Oh. Mais c'est une blague ou pas? Ça m'angoisse de reconstruire, je t'avoue. C'est pour ça que j'arrive pas à refaire un truc. Ah oui, ouais, parce que tu pars d'un truc qui est complètement vierge en soi, tu vois. C'était un truc qui m'angoissait aussi. Je sais, on l'a déjà streamé sur Twitch et YouTube il y a un petit moment, mais c'était Little Big Planet. Et le truc, moi aussi, qui m'angoissait terriblement sur Little Big Planet. C'est assez simple, c'est que quand tu lances, quand t'as envie de créer un niveau, bah en fait, t'arrives sur un truc qui est complètement vide. Et du coup, t'as pas une base. Commencer à faire les choses, quoi. Ouais, c'est. Je trouve ça très très compliqué. À CNH, ça lag aussi chez certaines personnes, mais pas chez moi. Okay. Moi, ça lag, hein, à un endroit. Tu vois, je sens que ça rame. Rien que ça, ça prouve une chose. Nintendo, il y a un moment. Je dis pas, hein, je sais bien que Nintendo ça a jamais été la course à la puissance, mais faire en sorte que votre console elle est assez puissante pour faire tourner vos jeux, en fait c'est la moindre des choses. Même si une fois qu'une île ACNH elle est bien customisée et tout, beaucoup de terraforming, beaucoup de meubles, etc. Mais je m'en fiche, en fait c'est censé tourner à la perfection. On a rebougé tous les trous. Bon bah parfait. Je pense cette moi là que tu aides sur Paper Mario. Tu l'as Paper Mario Mario? Il y a des gens qui ont pris Paper Mario grâce à nous ou pas du tout? Juste pour savoir. C'est une estimation comme ça. Bon, par contre, là, oh. Lui, il se fout du tuyau, là. Ouais, ici, on est déjà allé. Il y avait un vieux bloc. Là, il y a le Goomba qui fait chier. Voilà, lui, fait faire tout le tour. Voilà, parfait. Mais vous rigolez ou quoi, les gars? Oh, attendez! Non! C'est lui, tu vois? Ah, c'est là! Ah non, scandaleux. Oh, trop bien! J'ai pas peur, Mario, ça m'a épé, mais tant mieux, Mario! Oh! Bobby! Il est en train de rouler plus. C'est chute! Et voilà qu'il remet ça. C'était pas volontaire là, Olivia, clairement. Hein. Bah, le truc pas louche, c'est qu'on devrait pas choisir entre le nombre de meubles et le fait que ça rame, quoi. Ça devrait pas ramer. Ça devrait pas ramer. Il est pas sous. Il est là-bas, derrière la châtaigne. Mais le truc, ça devrait pas ramer. En fait, le principe d'acheter une console, c'est que, en fait, moi, quand j'achetais. Ah merci Matic, ça fait plaisir. Quand j'achetais une console il y a quelques années, bah, j'achetais la console parce que j'étais sûre que tous les jeux que j'allais acheter dessus, ils allaient tourner à la perfection parce qu'ils étaient conçus pour la console. Donc, il y avait pas de question à se poser, tu vois. Contrairement à un PC où, si t'investis pas forcément beaucoup d'argent dans ton PC, tu sais qu'il va pas pouvoir faire tourner tous les jeux en ultra, tu vois.
Or, une console, bah, quand tu payes la console, même la console pro, bah, tu t'attends à ce que tout tourne en ultra et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Non, c'est, enfin, je veux dire, à mes yeux, c'était l'intérêt de la console comparé au PC, tu vois. Ah, c'est l'intérêt pour moi. Donc, si maintenant, sur les consoles, les jeux qui sortent dessus, qui sont des exclus en plus à ces consoles, genre Animal Crossing, ça rame dessus à partir du moment où t'es un peu trop avancé dans le jeu. Ouais. C'est pas possible. Salut Moutarde, en fait. J'espère que tu vas bien. Salut Moutarde. Moi, tu vois, je m'en fous que ça soit de la 4K, tout ça. Non, c'est je veux pas juste ça, être réglo, au moins de la HD quand même, faut pas déconner. Et juste que ça soit fluide. Après, 4K, tout ça, j'ai pas. Vous avez. Qui a une télé 4K? Est-ce qu'il y a un modo qui peut nous faire un sondage là? Qui a une télé 4K chez lui pour profiter de la 4K? On va en parler un petit peu. Par contre, j'ai pas récupéré Bobby, je suis bête. T'es allé là-bas pour le sauver et au final, tu l'as pas récupéré. Mais il est plus là? Il était là? Bah, je croyais qu'il était là, mais il est plus là. Bah, en fait, il a roulé, il a dû rouler jusque là-bas, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y avait Bobby aussi. Il a jamais été là, ok. C'est dans notre tête. Il a jamais été là. En fait, on a une hallucination, c'est la exactement, chaleur. Exactement. C'est la chaleur, on a une hallucination, tout va bien. Ça arrive. Ça arrive. Oui, en vous ayant regardé jouer à Paper Mario Color Splash. Et ah, pourtant, Paper Mario possible. Color Splash était considéré comme l'un des pires Paper Mario de les l'histoire gars, des Paper Mario. Voilà. Merci au modo qui a fait le sondage. Est-ce que vous avez une télé 4K? Exactement, très bien écrit. N'hésitez pas à répondre. Parce que voilà, moi je m'en fous que ça soit ultra performant et tout. Je veux juste que ça tourne un minimum et que ça rame pas, quoi. Que ça soit fluide. Donc du coup, Bobby Claire. Oui. Il aurait descendu. Je sais pas où il est passé. Parce que Bobby, il est passé là-bas. Attends, mais Bobby, t'es passé là-bas. On a perdu bordel. Bobby. Attends, mais. T'inquiète, Tadao, c'est parfait, t'en fais pas. Là, Bobby, il tourne. Il arrive ici. Ensuite, il tombe où? Bah là, mais toi, apparemment, tu peux pas tomber. C'est pour ça que c'est magique. Je joue jamais sur télé. Je sais bien, vous bah, le trouverez. Disons que avec la Switch, c'est jouable ton truc. Avec la PS4, ça l'est déjà nettement moins. Cherchez bien, vous le trouverez. Ah mais Bobby, il fait vraiment passer par tous les chemins du monde, quoi. C'est un truc de fou, comment on non, mais arrive gros. À faire Bobby. Oh merde, Bobby! On devait le trouver en 2 secondes, Bobby. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est ouf. Mais ça passe vraiment limite. Bah, moi perso, ce que j'ai trouvé qui allait pas dans Color Splash Temgun, c'est le système de combat avec les cartes qui était assez frustrant parce que du coup, quand tu utilises une technique de combat, tu la perds. Et du coup, il faut la racheter ensuite et c'est chiant. Et sinon, c'était le système de map. Mais sinon, en soi, le reste du jeu était plutôt correct en fait. Hein. Ok, vous êtes 12%. Non, vous êtes 12 à avoir dit que vous n'ayez pas de télé 4K. 80%. C'est quand même beaucoup, hein. Peu de personnes ont une télé 4K. Tu peux jouer PC avec la PS4, PS4 Pro, avec la Remote Play. Oui, c'est vrai, mais perso, moi, quand j'achète une console de salon, comme là, je vais acheter la PS5, c'est pour y jouer sur une télé. Hein. Ah oui, moi aussi. Clairement. Et une grande télé. Parce que les grands écrans, c'est bien. Mais les gars, il est dans l'arbre, c'est ça? Bah après, je trouve qu'ils ont trop forcé sur l'humour. Je sais pas, moi, ça m'a pas gêné, l'humour dans Color Splash. Était wow, cool. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Ça m'a pas choqué non plus. Trop d'humour, tu moi. Comment ça va bien aujourd'hui? Bah ça va très bien, Katana. Et toi, comment vas-tu? Les gars, où est-ce qu'il est ce fucking Bobby, les gars? Cherchez bien, vous trouverez. Ouais, Dorilo, les allers-retours, c'est vrai que c'était chiant. Et même des fois, t'es vraiment mal indiqué.
Non mais par contre là, on parle d'aller. Tu peux pas les exploser les châtaignes? Non, je peux pas. Oui, pas ces bobines, mais je sais pas, mais là je suis. Là, la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais. Je vais devoir vous demander en fait. Mais. À quel moment il dévale la pente et au final il est là-haut? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Avez-vous Discord? Oui, effectivement, Katana, on a un Discord. On annonce toujours les lives dessus si tu veux. C'est magique. Il nous a douillé, ouais. Mon dieu. Il nous a douillé. Faut tomber au plus bas pour atteindre le sommet, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est salut comme Shitori, reculer bienvenue. Pour mieux sauter. Hein. Salut Shitori. Non, mais ils nous ont complètement défoncé. Ok, 3 déplacements. Monte à la fin et après vitesse. Aïe. Et remonter après 6 ou 8. Ce qu'il faut que voilà, je fasse, vous l'avez ça. Trouvé. Attends, oui, attendez. Mais... 3 déplacements. Hein. Mmh. Tac. Ensuite, je mets ça là. Oui. Et ensuite. Putain, ah. J'aimerais être trop fort, je le suis pas, ça m'énerve. Attends, attends, attends. Mais oui, on a trouvé. Là, voilà. Non. Quoi non? Mais le là. Où ça là? Ouais, ici. Ah après. Ouais, non, tu peux pas le rapprocher, j'ai rien dit. Mais qu'est-ce qu'on comprend pas? Surtout ça a l'air trop con en plus. C'est salut ce qui est frustrant. Salut Yuni, bienvenue. Ça a l'air méga con. Ça a l'air méga con et on n'y arrive pas. Ah oui. Vous pouvez avoir les deux alignements là. Ah oui, c'est ce que je me dis en plus. Ouais, fais ça. Ouais. Pousse ensuite. Le... Parce que ouais, si mais... je fais ça, là, je suis foutu. Non, t'es douillé, là, si tu fais ça. Quand t'as un stop être débile. Oh, j'ai rien compris de ce que j'ai fait, ça a marché. Oh, je sais pas ce que j'ai tu fait, ça a marché. Tout à l'heure, nous. On aura réussi finalement, mais on n'a pas trop compris. Réussi. Me jugez pas trop, s'il vous plaît. Me jugez pas trop. Soyez cool quand même. Soyez cool. Mmh. Miam miam. Viens crier, la châtaigne. S'il vous plaît. Je vais lui foutre oh, un coup. Oh, il dort. Je vais lui foutre un coup de marteau. Merci beaucoup, Katie. Oh, il y a un Toad. Le papillon, c'est un Toad. Oh. Comme c'est mignon. Mais non, j'ai envie de le tarter. Pendant qu'on cherchait partout, en craignant le pire, il dormait là, comme un bienheureux. C'est pas la définition de mignon, ça. Hein. Elle va le tuer. Tu veux le réveiller délicatement, Maria? Moi, je le réveillerai avec une batte de baseball. Les gars. J'ai envie de lui foutre un coup de marteau. On commence à s'entraîner. On commence à tourner à fond. On va le faire, mon gars. Ça méga frappe, juste avant on va récupérer le Toad là. Vous savez ce qu'on va faire les amis. Vous êtes prêts? C'est parti. Réaction. Tiens, voilà la super M. Je trouve un raccourci en dévalant la pente. Impec non? Vous avez mis un moment à me rejoindre. Il faut croire que j'ai fini par m'assoupir. Je suis bien contente qu'il te soit rien arrivé. Bien sûr qu'on a des amis beaux, Palou. Et le mieux, c'est qu'on n'aura plus à te chercher partout à l'avenir, car tu ne disparaîtras probablement plus jamais. Les gars, il va disparaître là. Dans 2 secondes. Bon, on peut aller le visiter, ce sanctuaire de l'eau, maintenant. Non, mais c'est vrai qu'il est cool, toi. À tes ordres, mademoiselle. En route pour le sanctuaire de l'eau.
Les amis, enfin. Après une heure, on a sauvé Bobby. On en a pas mal des amiibo. Les amis, on va en profiter pour afficher le classement d'aujourd'hui. Et ça sera... Ah, on a toujours pas fait fonctionner le classement. Non, il fonctionne toujours pas. Je sais pas pourquoi tu annonces des trucs alors qu'on n'est pas sûr qu'il fonctionne. Bah je sais pas. Là, attendez, attendez. Ah, tu vois, c'est bizarre quand je fais ça. Ouais, il est pas là. Attendez, attendez les amis. Je fais juste un truc, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Pourtant, il est allumé. Ouais, attends, attends, attends. Vous aimez bien cette musique ou pas? Il arrive pas, si. Si, si, il s'est reconnecté. Ok, ok, les amis, il s'est reconnecté. C'est bon, ok, le bot est revenu. Bon, bah, on fera le classement un peu plus tard, du coup, les amis. Désolé. Newbie, ça va être à ton tour, tu sais. Tu vas aller dans le temple. Pourquoi moi, je vais aller dans le temple? Je vais me faire démonter par le boss. C'est comme ça que ça marche, Newbie. L'eau, elle est tellement belle. Bah, ouais. Vas-y, Luby, je te laisse faire. Ah oui, Dorino complètement. Hein. Bien sûr qu'il va disparaître. Allez, Luby, saute sur l'interrupteur. Compris 5 sur 5. Ouais, c'est, je comprends, Frita. On va rentrer dans le sanctuaire. Tu viens pas, Bobby? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, moi? Activer cet interrupteur m'a épuisé. J'ai les jambes coupées. Oh, je vais le tarter. Pas que j'ai peur de me perdre dans ce temple sombre rempli de pièges de monstres. C'est pas mon genre. Mais je dois me reposer un peu pour récupérer des forces. Passez le bonjour à l'esprit de l'eau pour moi. Il est vraiment... Frappe-le pour moi. Ouais, refrappe-le. Il se bouge les fesses quand tu fais ça. Allez, viens. Non, ça marche non pas. Tu ne viendras pas, ok. Il file un mauvais couteau, ce Bobby. Ah oui, t'as totalement raison, Alice. Bon, par contre, je commence à avoir faim, les amis. Vous avez pris de quoi grignoter ou pas, les gars? Moi, je vais manger, je vais prendre un petit napolitain, je pense. Mais ce que tu as dans l'eau, il est complètement dans Zelda. Oh, regarde ce dragon de pierre, tu crois que c'est l'esprit de l'eau? Oh, dire que Bobby rate ça. Mais il est trop beau, le sanctuaire, les gars. C'est quoi ce bordel là? On est dans Zelda Breath of the Wild ou quoi? Mais je dirais plus qu'il est encore plus beau que son tueur dans Zelda Breath of the Wild. Ouais. Ouais, Bobby est suffisamment intelligent pour ne pas aller dans la gueule de loup. Ouais, il se laisse pas avoir quoi. Ah, je peux pas passer là. Non, on a jamais fait le sanctuaire. Je peux soit aller là-bas, soit aller en haut. On va aller à gauche avant. J'ai des cookies tout cœur, tout choco, cœur fondant. Parfait, Valérie, parfait. Un Toad. À propos, tu sais que les confettis que tu jettes hors des trous ne sont pas perdus, tu peux en mettre à côté sans crainte. Hmm. Ok. Ah, bah, les amis, si on avait des Kinder Joy là, les amis, qu'est-ce qu'on se ferait plaisir? Vous connaissez tous les Kinder Joy, j'espère. Coucou, c'est Chirou, comme on m'a dit. Salut, c'est Chirou. What the fuck, man? Eh, hey, mais il me fait penser... Mince. Il y a des vrais crabes qui ressemblent à ça. Ah bah oui. Je crois que c'était un origami Toad. C'est pas... Non, j'ai pas pris pour un Toad. Ouais, très très bien, c'est Chirou, ça fait plaisir de te voir. T'as pas l'air... Bon, je présume qu'il faut... Ah, mais non, j'aurais dû les placer pour un marteau, parce que les bottes, ça a pas marché, t'as plus de bottes. Si, si, vas-y, tu peux encore les utiliser, là. Les bottes de fer? Ouais. Mais elles sont bientôt cassées, c'est ça. J'ai mangé une glace Kinder Joy, mais c'était moins bon que le Bueno. Une glace Kinder Joy? Ah ouais, Kishi. Parfait, Matix. Mais par contre, c'est moi, ton casse-tête, il était nul comparé au mien. T'as pas, genre, juste tourné un truc? Je crois que si. Non, ouais. Là, c'est parce que je me disais quoi. Ah, bah tiens. Botte de fer. Botte de fer brillante. Eh, hey. Par contre, il faut que tu les équipes, hein, je crois. Ouais, attends. Des confettis. Mince. Bien sûr que je connais le Kinder Joy. Comment ça, Palou? Palou? Tu ne connais pas le Kinder Joy, Palou? Les amis, le Kinder Joy, c'est un des meilleurs Kinder.
Il y a un moment, on a essayé, on a contacté Twitter. D'ailleurs, c'est toujours mon tweet épinglé, je crois. On a contacté sur Twitter Kinder pour savoir si on pouvait pas faire des placements de produits pour Kinder Joy, parce que pendant certains streams, on parlait beaucoup des Kinder Joy. Oh putain. Ouais, ça date, hein. Ah, t'as envie de les défoncer, quoi. Bah ouais. Ils vont me faire des confettis. Ouais, fais-toi plaisir. Ouais, vous êtes nombreux, là. C'était pas ça, le deal. On triche pas, Dorilo, nous. On n'est pas des tricheurs, hein. Ouais, c'est encore trop kill, en vrai. Dites, Fritter qui nous dit, on en parle des joueurs sous Focus qui attrapent en ligne d'arrivée, du coup tu finis deuxième. Ouais, ils aiment bien faire des sacrés coups. Hein. Sinon, c'est après en regardant une vidéo, mais aussi on peut accéder à son inventaire en combat, donc si vous équipez pas avant. Ah, ouais, inventaire en plein combat, ça marche. Pourquoi il y en a qu'un qui est mort? Je sais pas. Ah, c'est dommage ça, parce qu'en plus t'avais fait une disposition parfaite. Bah ouais. Bah refais un coup de marteau. Il fallait peut-être faire un marteau brillant sur eux, probablement. Peut-être. Ouais, ouais, on l'a vu que Pikmin 3 Deluxe, là, il a été annoncé. On espère que vous en êtes plutôt content. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai eu une pensée pour tous les gens qui attendaient le Pikmin 4, quoi. Ah ouais, c'est clair. J'étais là, genre, vous attendiez le 4, ils vous en sortent un Deluxe, quoi. Mais le gros avantage, c'est que tu sais au moins qu'ils t'ont pas abandonné, quoi. Oui. Et d'ailleurs, c'est Shiro, je sais pas si t'es encore là. Mais tout à l'heure, on parlait de Dragon Quest Builder 2, je sais que tu venais très régulièrement sur Dragon Quest Builder 2, donc petit moment de nostalgie, quoi. Non, des bottes normales, ça devrait suffire. Ah oui, je pense que tu les tires. Ouais, faut que tu fasses un super ou un excellent. Fallait que tu fasses ton marteau un peu plus tard et puis t'étais tranquille, apparemment. Voilà, tu le sauras, tu le sauras. Si chez vous. S'il y a Deluxe, ça veut dire le 4 pour bientôt. Sache qu'il y a eu Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe, il commence à dater un petit peu, tu vois. Et le Mario Kart 9, on l'attend toujours. Hein. Exactement. Moi, bon, je reviens, je vais me chercher un petit verre d'eau avec glaçon, les amis. Mais non, je vais apporter la bouteille d'eau fraîche, déjà, parce que j'en ai mis une au frais. Je reviens tout de suite, les amis. D'abord les vénères. Ok, c'est bon. D'ailleurs, on en parlait au début de stream tout à l'heure, mais qui serait chaud pour qu'on fasse des jeux multijoueurs ce soir? Je sais pas si vous aimeriez qu'on fasse du Mario Kart et tout. Il y avait Anao qui était chaud pour du Mario Kart, et je sais pas s'il y en a d'autres qui le seraient aussi. Ce sera un live du coup après celui-là où on ferait une bonne pause, manger tout ça. Et voilà, on jouera ensemble quoi, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de jeux multijoueurs comme ça avec vous. Les bleus, ils ont l'air vraiment vénères. Les bleus, t'as vu comment ils sont excités là? Ah, faut que tu les butes. Mais ça va, c'est tranquille là. T'es chaud pour du MKS ou pas? Ça marche. Ah, crap, Shani. Ouais, tu vois, Mario Kart 8 Deluxe, il est sorti en 2017. Hein. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Franchement, un Mario Kart 9, il ferait plaisir quoi. J'aurais peut-être dû utiliser un marteau brillant, ouais. Oh bah vas-y. Oh, un autre marteau, ça doit... Ah, je disais pas loup. Il y a plein de jeux, je me sens pas du tout de les faire, j'ai pas les compétences pour, mais suivre des jeux, je pense que vous voir jouer à Zelda Breath of the Wild 2, ça peut être le feu pour moi. Bon, on va s'éclater sur Zelda Breath of the Wild 2, ça c'est sûr. Tellement bien. Mais en vrai, vous avez les compétences, hein. Surtout, ne vous dégradez pas, quoi. Bah écoute, Anao, nous, tu sais, nous affronter sur Mario Kart, ça nous fait toujours très plaisir. Mais Noobie, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas logique, moi. Tu pouvais revenir en arrière, hein. Ouais, mais... T'avais pas envie. Fall Guys est un multi. C'est un multi, mais on joue avec 3 personnes au max, tu vois. Ouais. C'est pas comme quand on fera des parties privées, quand ça va sortir, on pourra jouer avec 60 joueurs, tu vois. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Déjà.
Oui, bien sûr, Soupa. Mais alors, j'y crois, j'y crois. J'y crois à Zelda Breath of the Wild 2, moi j'y crois à fond. Vous pourriez faire des visites oniriques, mais je crois que Nubian a déjà fait. Oui. Je sais pas si c'est une bêtise ou pas. Toi, t'en as déjà fait. Botte de fer. Ah, je vois, c'est chiant. Non, mais en vrai, t'inquiète. Faut pas que vous sous-estimez, vous êtes capable. Hein. Vous êtes capable. C'est plus les jeux comme Dark Souls et tout qui sont un peu plus élitistes, mais des autres, voilà quoi. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, Fall Guys, du coup, on a eu des. Là, avec les couronnes et tout, je vais pouvoir m'acheter une super tenue. Et aujourd'hui, il y avait des nouveaux motifs, ils sont super stylés avec un dégradé et tout. J'en profite à fond, et de toute façon, je suis à fond avec Fall Guys. Avec Nubi, on aime bien y jouer. On aime bien, on aime bien. Oh, stylé la pièce, mais c'est une énigme, Nubi. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il, Nubi? Je peux pas entrer dans les trucs des crabes. Je pense pas, t'es trop petite pour ça. Mais... Non, je suis trop grand. Bah ouais, je suis désolé, c'est quand j'ai réallumé le bot, du coup, le classement. Du coup, vous êtes tous là. C'est le Captain Abarak, d'ailleurs. Je vois que t'es dans le classement. Si je vois qu'il y a des pseudos qui parlent pas, je vous fais un petit coucou, mais... J'espère que tu vas bien. Tout le monde dans ce classement. Oh non. Attends, il y a quoi? Sur Dead by Daylight, il y a le cross-platform qui est sorti vendredi? C'est ça? Et du cross-platform sur Dead by Daylight? Ça c'est pas mal, et ça fait tellement longtemps qu'on en a pas fait quand même. Tu dois sûrement mettre un truc dans un autre truc et buduler un peu. Mais il manque une parcelle en fait. T'es sûr? Oui. Ça dépend, tu dois... Ah oui. Ah ouais. Oui. Ouais, il doit t'en manquer un. Ouais, voilà, faut que tu explores les environs. Explore le. Je vais aller buter le crabe. Mais c'est vrai, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait du DBD quand même. Hein. Bah, je sais pas si t'aimerais qu'on en refasse, mais je sais que c'était les bugs serveurs qui nous faisaient chier parce que une partie sur trois, ça plantait des et tout. Des fois, on mettait vraiment beaucoup trop de temps à trouver une game en fait. Et quand t'es en live pendant 2 heures et qu'en 2 heures t'as fait 2 games, t'es un peu vénère quand même. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors Dorilo il dit que là où t'étais c'est une énigme facile. Quand il y aura l'énigme compliquée, vous ne pouvez ne pas demander de l'aide à Olivia. Eh hey, Dorilo, si on veut demander de l'aide, on demande de l'aide. Parce que nous on a besoin d'aide, tu sais. Mais... Du Roblox, sur Roblox ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait aussi maintenant. Mais t'as raison. Voilà, là, je vais depuis. Je vais me prendre des crabes. Faut tous que je les tue. Oh, il avait la pièce. Ouais, mais attendez les gars, si on fait du Roblox, parce que je sais que vous êtes en mode Roblox, c'est vrai que Roblox en multi c'est sympa. Oui. Moi il y a pas de souci. Mais je vais vous dire un truc les gars, Roblox, quel est le mini-jeu du moment? Quels sont les mini-jeux à jouer en multi qui sont trop bien en ce moment? N'hésitez pas à nous dire pour qu'on puisse un peu se positionner, tu vois. Mais en fait, en vrai avec Nubi, on regardera sûrement un peu avant s'il y a des jeux qui nous intéressent sur Roblox. Le Game Pass à 4€, bah je pense que ça peut être très intéressant, Matix. Nous on l'a pas, mais je pense que c'est cool. Hein. Des bottes de fer. C'est vraiment facile de faire l'excellent en ce temps, je trouve quand même. Je reviens, je vais me chercher mes fraises Tagada. Bon appétit, Palou. Bon appétit. Bon appétit pour tes fraises. Oh là là, toutes ces pièces quoi, incroyable. C'est quoi Piggy? C'est un truc avec un cochon quoi. Bon attends. C'est quoi le mode multijoueur où on peut jouer avec plusieurs personnes qui peut être sympathique? Eh merde, je pensais pas que le bleu. T'as envie de faire des combats en fait Piggy? Non, je voulais attendre que le bleu il se pointe en face de moi. Là, je comprends. Mais oui, Roblox c'est totalement gratuit hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça va m'énerver. Non, en vrai, ça le fait. Je crois. À quel moment? Reviens derrière. Bébé. Ouais. Là, tu fais le truc en longueur. Ouais, et tu bouges le Koopa. Ouais. Yes. Voilà. Et maintenant, tu fais en sorte de bouger. Ouais, comme ça. Voilà. Ouais, t'as le... En parlant de pièces, économisez bien. Bah en vrai, on paye pas énormément de trucs, mais on essaie de pas trop en consommer, tu vois.
Mais après, des fois, on utilise un petit peu, tu sais, pour les astuces et tout. Youpi qui a fait un excellent avec le marteau. Gros GG, c'était très puissant. Là, on est à 20 000 pièces. Je pense que c'est pas nul. Mais du coup, je sais pas. Merde, je me suis payé. Ouais, ils sont morts quand même. Hello, TTV. Mais justement, il nous parle de DBD, tiens. Salut, TTV. Hello. Hello, TTV. Yubi a fait tous les combats. Tu Yubi. Bon, moi t'as des pièces quoi. Donc voilà. Oui, c'est vrai que les systèmes ils valent beaucoup aussi. TTV, we want to play Paper Mario today. Bon, si TTV commence à spammer, les amis, n'hésitez pas, bannez-le moi. Temporairement, bien évidemment, mais. Tu le time out quoi. Ah merde, les bottes de fer elles sont hors service, mec. Après, t'as les bottes de fer. Brillantes. Qui est brillante là aussi, donc là tu sais pas mal quoi. Ouais, mais faut peut-être les garder pour le boss aussi, mec. Alors là, actuellement, Bowser, je sais pas où il est, mais on sait qu'il est pas loin. Ouais. On sait qu'il est pas loin. Viens là. Ah le bâtard! Ah! Je suis le tuer. Ah mais il reste toujours loin de moi! Ça y a un truc au bout là, c'est quoi ça? Frappe dessus. Ouais, ici là où il y a une tache. Voilà. Oh la vache, c'est comme à l'époque avec les crabes! Trop bien fait. Ça les gars, ça s'appelle du lore. Oh ils sont tous à terre? Ouais, bon. Ouais. Si je fais ça. Non, je serais dans la même merde. C'est perturbant. Je sais pas quoi faire. Reviens en arrière complet. Essaye, je sais pas, de bouger le rouge pour qu'il soit la ligne d'avant. Ouais. Ouais, comme ça. Ouais. C'est un carnage. Non mais en vrai j'avais pas la solution aussi. Honnêtement je l'avais pas. Merde. Les amis, vous savez qu'avec Newbie on est un peu en recherche d'appartement en ce moment et tout. Je vais vous poser une question simple. Avec Newbie on regarde aussi beaucoup les émissions genre Stéphane Plaza, les trucs comme ça. Mais ça, ces émissions là elles sont clairement là pour les gens comme nous qui sont en recherche d'appartement. C'est une catastrophe. Et du coup je vais vous poser une seule question. Une question simple et toi. Pour vous, c'est quoi le critère méga important sur lequel vous seriez pas capable de faire une concession? Et ce serait quoi l'argument justement sur lequel vous en foutez un peu plus que vous seriez capable de faire une concession? Par exemple, si un ascenseur ou pas, tu vois, typiquement. Ou par exemple, je sais pas moi, la taille du jardin, si tu veux un jardin, ce genre de choses. Je sais pas quoi. Ce serait quoi vous qui serait méga important? Attends, vas-y, Bédé, attends. C'est une catastrophe, je suis... Mon cerveau il arrive pas à faire des connexions. Il y a un truc qui fonctionne pas bien. Ah non mais en vrai Ouais, il y a un truc qui fonctionne pas bien. Attends. Le but c'est de les aligner je crois. Ascenseur c'est techniquement plus facile parce que le jardin je pense. Bah moi le jardin c'est pas quelque chose d'obligatoire du tout en fait. Dans ma tête. En fait, le truc, c'est que le jardin, pour moi, le jardin, c'est quelque chose d'obligatoire en maison. Okay. Parce que pour moi, le seul intérêt de prendre une maison plutôt qu'un appartement, bah, c'est clairement d'avoir un jardin. Mais quand t'es en appart, bah, le seul moyen d'avoir un jardin, c'est d'être au rez-de-chaussée. Et moi, c'est hors de question d'être au rez-de-chaussée, en fait. Nice. C'est même pas en rêve.
Bah tu sais, bon appétit à Tinette. Bon appétit. Ça va, ça me suffit. Oui, le loyer, bien sûr, bien sûr. Mais tu peux sauter dessus ou pas, Boud? Oui, tu peux avec des bottes en fer. C'est là? Mmh. Mais les bottes normales, ça passe pas? Non, je pense pas, pas avec les pinces. Je vais essayer quand même, parce qu'ils ont juste des yeux, en fait. Ouais, ils ont des pinces, en fait, mec. Mais bon, ils ont juste des yeux. Bah non, ils ont des grosses pinces, ils vont te piquer, en fait. Un bureau et la fibre. En vrai, moi, la fibre, c'est une priorité. Mais en vrai, je vous pose un peu la question dans le sens où... Imaginez que vous achetez un appart. Donc, c'est vraiment un investissement. Je veux dire, il y a forcément des trucs que tu préfères par rapport à d'autres, tu vois. La capitale, c'est même pas envisageable. Jamais. Jamais, j'espère. Au grand jamais. Moi, je comprends, c'est chirou. En vrai, je comprends. Ne vivre à Paris... Le plus important, c'est de pas avoir les choses sur le palier. Non, mais t'imagines, ça serait horrible. Ça, j'y arriverais pas. Qu'est-ce que c'est que cette chose à ton avis, tiens, Nubir? Un bureau et la fibre. Non, mais la fibre n'est pas en option. La fibre est une obligation absolue. Ça dépend du cas. Nous sommes streamers, les gars. La fibre, c'est pas en option. On peut pas streamer avec de la DSL, même avec un très bon ADSL. C'était des trucs que vous vous rendez pas compte, mais par exemple, typiquement, quand t'as un balcon. Quand t'as un balcon et que tu travailles majoritairement chez toi. Mais par exemple, si t'es plein sud, ou bien ouest-est, si t'as un balcon qui est traversant. Bah, c'est méga bien. Mais par exemple, si t'as côté nord, par exemple, du coup, t'auras pas lumière toute la journée. Non, donc du coup, si t'as pas lumière naturelle alors que tu travailles chez toi et tout, c'est des trucs que tu peux facilement te rendre compte que ça peut être embêtant, quoi. La lumière, voilà. C'est trop important. Même pour le moral, c'est hyper important. Typiquement, si t'aimes bien prendre des bains, par exemple, t'as envie d'avoir une baignoire. Si t'aimes bien cuisiner... Bah, deux plaques, ça fait peu. Tu vois, c'est des trucs, tu vois, tu réfléchis pas trop sur le coup. Après, quand t'es jeune, c'est totalement normal. Hein. Moi, j'ai vécu au cross et tout. Mais tu sais, c'est des trucs que tu réfléchis de plus en plus après, quand même. En mode, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, tu vois. Plus tard, je souhaite vivre dans un but studio. Ça me va largement, je peux vivre seul, donc pas besoin de beaucoup d'espace. Moi, de toute façon, c'est ce que je dis toujours avec Nubi. C'est que j'ai pas besoin d'avoir énormément. Bah, mais je préfère pas... avoir petit et cosy qu'avoir énorme. Oui, avec non, on n'a pas besoin d'avoir ultra ça, grand voilà. Parce que surtout qu'on n'envisage absolument pas d'avoir d'enfants. Je veux dire, le plus gros. Enfin, le truc qui nous demandera le plus d'espace, c'est quand on aura un gros chien en fait. Donc. Et c'est pas forcément le truc que j'ai envie de faire. J'ai pas besoin d'avoir une énorme baraque pour avoir un gros chien. À la limite, j'ai besoin d'avoir un grand jardin et c'est tout quoi. Ouais. Tu vois ici, je me demande bien où va tout cet eau. Mais regardez l'eau, elle est trop bien encore. Vous avez vu ça un petit peu ou pas? Oh mec! Je peux y aller dans l'eau ou pas? J'ai un peu peur d'y aller et de me faire des dégâts. Après, habiter Paris, tu donnes plein d'avantages qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres villes. Bah après, c'est comme... En fait, sans parler de juste Paris, parce qu'effectivement, les fait, loyers sont chers. C'est pas forcément... C'est quand t'as toujours la question... C'est pas juste Paris, mais c'est quand même l'endroit en France où j'ai été où il y a le plus de surpopulation mondiale. Genre, je veux dire, on est au courant qu'on est en surpopulation mondiale. Mais genre, quand t'es à Paris, tu le ressens vraiment. Genre, chaque jour de ta vie, dès que tu sors, tu sens qu'il y a tout le temps du monde. Salut Sylvain. Et moi, c'est ça qui est... J'ai beaucoup de mal à Paris. Il y a trop de monde, en fait. Trop de gens. Tue les gens. Essaye trop de sauter dans l'eau. Oui, c'est bon. Ok, ok, ça marche. Je sais pas si je peux. Ah, ça rafraîchit d'un coup. Moi, j'ai l'impression que ça rafraîchit un peu par rapport à la température. C'est psychologique. Exactement. C'est psychologique. Mais, Mario est rafraîchi. Sans parler de vivre à Paris, par exemple, quelque chose d'important par rapport à vous. Bonjour, passez-moi la manette. Mais non, Sylvain. Pourquoi tu veux qu'on te file la manette? Elle est à nous. Mais du coup, par exemple, c'est plus la question. Est-ce que vous allez avoir besoin ou est-ce que vous préférez vivre en centre-ville ou un peu plus en externe? Parce que du coup, souvent, les appartements, c'est beaucoup plus cher à partir du moment où tu te rapproches de la gare, de la partie un peu commerce et tout. Donc la question, est-ce que ça, c'est important ou est-ce que c'est pas important, tu vois? Tu et moi, je préfère être un peu excentré, pour tu vois. Au moins payer d'impôts et toucher les allocs. T'aimes quoi, du je crois que si les allocs et le fait de payer moins d'impôts, ça remboursait réellement le fait d'avoir un enfant... Bah en fait, pas un seul, il en faut plusieurs. Ouais, il en faut. En fait, faut en pondre plein. Parce que faut que t'aies. Je t'explique un truc, Damon. Plus tu pondes gosse, plus t'as des aides. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si t'as des jumeaux, tu touches que pour un. C'est pas logique, mais c'est comme ça. Et si t'as qu'un enfant, tu touches rien. Mais Sylvain, j'espère que tu vas bientôt l'avoir, en tout cas. Et salut Vimix. On va très très bien, et toi? Mais regardez, effectivement. Ouais, ça a tout. Maintenant, du coup, voilà, le dragon, il a un peu la bouche ouverte, quoi. J'aimerais bien aller à droite. Mais toi, c'est Chirou, t'es en plein dans la capitale, c'est ça?
T'es en plein Paris? Bah oui, je crois bien, parce que quand on t'avait vu à la Paris Games Week, je crois que tu habitais pas très... Oh, mais de toute façon, les gars, si vous vendez un appartement sur Metz, on va vous dire qu'est-ce que nous, c'est les critères qui sont vraiment importants pour nous. Et surtout que là, on prend sur Metz, mais... Merde. On compte pas y habiter définitivement, c'est que pour quelques années, quoi. Bah, on verra comment ça se passe, de toute façon. On verra bien. Bah, notre objectif, c'est quand même d'aller vivre l'étranger. Ouais, non, mais ça, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pas pour l'éternité. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça apporte rien, ça. Mais en gros, du coup, par rapport à nos critères, les amis, c'est assez simple. Nous, ce qu'on aimerait, c'est par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on aimerait avoir vraiment une chambre. Ça, ça serait vraiment le truc parfait. Et ce qu'on aimerait, c'est un bureau pour le streaming, pour qu'on puisse vraiment travailler entièrement dedans. Et ensuite, exactement comme on a, enfin pas exactement, parce qu'on préfère avoir une meilleure cuisine avec plus de plaques, ce genre de choses. Mais du coup, ça va un peu plus avec l'augmentation. Mais sinon, voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite le plus. Oh, ce sac de pouvoir n'est pas un jeu. Mario essaie de le récupérer, c'est à nous d'utiliser ça. Ah ouais, on va essayer. Et du coup, sinon, ce qu'on aimerait aussi, c'est peut-être un balcon sud, plein sud. Ça, c'est vraiment cool aussi. Pour quand Ubi travaille, d'avoir la lumière et tout, ça, c'est pas mal. Non, les transports en commun, c'est pas nécessaire, c'est pas un truc qu'on recherche, c'est vraiment pas... Bah moi, c'est si. Non, mais... toi non, parce que t'as le permis, mais moi j'ai pas le permis. Oui, non, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement, c'est bien dans les cas assez rares, mais c'est pas un truc qu'on utilise régulièrement. Ça reste quoi. Important, oui, mais hein. c'est rare qu'on l'utilise, quoi. Vous êtes dans quel monde? On est dans le deuxième monde, je crois, Sullivan. On est en train d'affronter... on est dans le temple de l'esprit de l'eau. Bah après Palou, si tu dois vivre à Paris pour ton métier, c'est pas très grave, hein, mais c'est juste que voilà, c'est comme tout quoi. Il y a des avantages et des inconvénients quoi. Vous avez vu que Twitch Prime a changé en Prime Gaming? Yes, on a vu ça Matix, on a vu ça, je sais pas ce que ça change pour vous. Par contre la petite couronne est vachement stylée je trouve, elle est différente. Oui. Elle est un peu graptissée. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment que la cuisine elle soit différente, parce qu'aujourd'hui, nous, pour cuisiner, on a deux plaques. Donc je vous explique, quand t'as deux plaques, bah t'as un truc pour chauffer les pâtes, et ensuite t'as un truc si t'as envie de faire éventuellement une cuisson de viande ou un truc comme ça. Mais par exemple, si t'as envie de te préparer une sauce ou faire des plats un minimum compliqués, oh c'est la merde, c'est la merde, non, c'est vraiment chiant. Ou même si t'as envie de cuisiner plusieurs trucs en même temps, tu peux pas. Du coup c'est chiant, ça c'est vraiment le truc, ça va nous faire du bien, tu vois. Ouais, ça change pas grand chose à part le nom Sims qui me semble aussi friteur. Ah, t'es malade, Vimix. Ah bah, repose-toi bien, gros. Oui, j'ai vu ça. Ah, c'est chaud, ça. Repose-toi, Vimix. Prends soin de toi. Ah, super. Attends, mais quand t'es famille d'accueil, tu gagnes du fric? Oui. Bah attends, ils vont 1500 pas... euros par mois mais par enfant pour être famille d'accueil. Mais gars, tu crois quoi? Qu'ils vont te refiler des gamins à problème et que tu vas rien y gagner? Mais attends, famille d'accueil, en plus c'est même pas t'adopter l'enfant, c'est juste qu'il vient chez toi temporairement, ouais, c'est ça? Ouais, famille d'accueil, c'est wow, ça. Waouh, les gars, le business. Famille d'accueil, à tout moment tu peux le jarter le gamin. Bah oui, bah bien sûr, bah c'est les trucs qui font un peu scandale là-dessus quoi. Parce que quand t'adoptes, bah c'est fini quoi. Mais famille d'accueil, t'es en mode, ah bah il me fait chier, et du coup tu peux le renvoyer après. C'est ça. Ah ouais, je suis désolé Sylvain, c'est pas possible quoi. Ah oui, je comprends, c'est sûr. Bah après, on n'a pas prévu de pas être dans Metz ou quoi que ce soit. Hein. Mais non, c'est juste qu'on n'a pas envie. En fait, ça serait cool pas, de payer... On n'est pas prêt à payer des centaines d'euros de plus pour être à 5 minutes de la gare. Ouais, voilà, c'est grosso ça. Modo, c'est ça. Ça serait dommage de payer super cher ton loyer plus par rapport à ce que tu cherches, juste parce que tu es proche de la gare. Tu sais, c'est plus par ce côté-là, quoi. Parce que... Bah forcément les gens qui prennent le train et tout, bah eux ils payent pour être près de la gare, c'est logique. Du coup eux, bah les loyers sont chers pour ça. Donc du coup, voilà, il faut jouer un peu intelligemment là-dessus quoi. Mais ouais, je vois ça, t'es gone. Ah ouais, tu peux venir chez nous, Sullivan, ramène-toi hein. Ramène-toi hein, y'a pas de soucis. Un petit kilo. Peut-être le marteau brillant en vrai. Hein. Ouais, le marteau brillant. Parce qu'ils sont puissants. Bah, il est bleu comme ça, ouais. Voilà. Non. Ah, ouais, je vois, je suis pas d'accord, je vois. Mais avec le marteau brillant, ils sont pas morts alors.
Mais j'ai mal fait aussi. Ah ouais, ok, ça marche. J'ai pas fait parfait. Ouais, ouais, bon, ça arrive. Displacement d'attaque réussi. Ok. Bien joué, Newbie. Bien joué à toi. Faut que je puisse monter, non? Mais tu peux les casser, les blocs, hein? Oui, mais faut peut-être que je les garde pour monter, non? Tu penses pas? Faut que t'en gardes certains, mais là tu peux les casser tout à gauche, là. T'es je sûr? Pense, ouais. Bah, la pièce, je l'aurais pas. Hein. Il y a peut-être la trampoline, non? Non, non il y a pas de. Oh, oh! Par contre, ça sert à toi. Petit coffre. Ouais, t'as bien fait, Top Gun. Le Block Pow! Block Pow, il est magnifique. Non, c'est sûr que les trucs genre Pôle emploi et tout, ça c'est les trucs. C'est lourd quoi. Très très lourd. C'est de la merde. Clairement, j'ai passé une bonne partie de ma vie, c'est de la merde. Ah, mais Kishi, c'est cool que tu vas avoir un nouveau coloc en vrai. Bon, après, je sais pas comment ça se passait avec ton collègue, enfin ton coloc en ce moment même. Mais le changement, des fois, ça fait du bien. Hein. Bon, vous en pensez quoi du coup du Paper Mario, les amis? Est-ce que vous trouvez qu'on s'en sort quand même plutôt bien? J'espère que c'est le cas. N'empêche, le temple il est pas trop difficile au niveau du placement des ennemis quand même. J'ai l'impression. Ah oui, chapitre 5! Bon, bah ça va, Dorilo, ça va, on a le temps hein. Doucement. Ah, tu les as dégommés, hein. Merveilleux. Grave. Oh. Donc oui, effectivement, fallait pas que je casse. Maintenant, je suis douillé. Maintenant, je suis douillé. Bah oui, c'est le cas de le dire, et je le savais d'avance. Bah après en stream forcément t'es plus lent, après ça va, on avance tu vois. Bobby on a mis un peu de temps à le chercher mais voilà. Il fallait le trouver tu vois le petit Bobby mais... Mais t'inquiète je pense qu'on reviendra dans cette salle lui, t'en fais pas. Oui de toute façon pas le choix pour 100%. Oh Top Gun si t'as pu les douiller c'est tout ce qui compte hein. C'est tout ce qui compte. Bon en vrai ça va vous êtes pas trop triste que c'est bientôt la fin des vacances sinon. Enfin, y en a, c'est parlons pas le de cas, sujet mais... qui fâche. Ouais. La rentrée. La rentrée. La rentrée qui vous allez probablement, peut-être, potentiellement passer confiné, de ce qui se dirait. Moi, faut savoir qu'actuellement, en jour de congé, il m'en reste 14 si je dis pas de bêtises. Donc en gros, je peux avoir encore 3 semaines de vacances que je place un peu où je veux. Et l'idée pour moi, c'était que je place hors période scolaire. Parce que forcément, en période. Enfin. Non, en période scolaire, parce que oui, comme ça, sais. Les enfants, ils sont pas en vacances et on vous croise pas à la piscine, tu vois. Maintenant, je pense pas qu'avec Bubi, on partira parce que le but en ce moment, c'est vraiment... C'est économiser pour le déménagement. Économiser tout, tout ce qu'on peut avoir même, pour un déménagement. Mieux, quoi, tout ça. Mieux, et pas lui. Mieux vaut qu'on économise à fond pour le déménagement et qu'on envisage à la limite de se faire un petit truc pour les fêtes plutôt que ouais, c'est de clair. S'en faire là à la rentrée. Quoi. Ah ouais, je vois, Fritter, je vois. Mais après ça va en vrai, vous avez quand même bien profité de vos vacances quoi. En vrai, ça va tu vois. Bon bah ça sera pour plus tard Nubi je pense. Et nous on voulait vous voir à la piscine. Bien joué Nubi. Black Pow. Oh cool. On en a sur nous. Non ça c'est mort hein. Non pour le moment. Mais t'inquiète les blocs ils vont revenir une fois que tu auras changé de zone ou un truc comme ça je pense. De toute façon, la proba, je suis pas pour qu'on se croise à la piscine. Voilà, tu sais qu'elle est extrêmement faible, je suis obligé de le dire, mais voilà quoi. Encore une statue de l'esprit de l'eau. Et celle-ci crache de l'eau comme un volcan en éruption. C'est à la fois effrayant et fascinant. En tout cas, ça ne laisse pas différent. Enfin, j'imagine que logiquement, l'esprit de l'eau adore l'eau, non? Dans la logique, ça devrait être. Ça fait quoi si tu vas dans l'eau là? Ouais, je pense que tu peux pas tomber. Ouais. Non, je peux pas. Ok. Moi, je pense qu'il faut que tu frappes les vannes là. Ouais, on fera le 100% sur le jeu. Ça vous dit ou pas qu'on fasse le 100% sur le jeu en vrai? Ouais.
moi, moi ça me dit grave. Ouais, les jeux qu'on aime bien comme ça, ça on adore faire 100% sur les comme quand j'étais sur... Comme quand j'étais sur Zelda Breath of the Wild, à charge, c'est les courbeaux avec vous pendant des heures. Est-ce que tout le monde a 20% de réduction pour le sub? Seulement il y aurait ça en ce moment, c'est ça? Le Prime Gaming. Alors là, je sais pas du tout, Frita. Vous habitez... Oh, là, actuellement, on habite à Nancy. Je peux avoir 4 badges, je viens de me rendre compte que maintenant... je suis entourée, moi, comment ça... Vivix. En même temps, Nubi, elle est 100%, on connaît. À la base, j'étais pas forcément comme ça. C'est lui qui m'a rendu comme ça. À la base, je faisais pas les 100%, moi. Tu vas pas te plaindre, quand même. Bah, franchement, quand tu t'attribues tout le mérite de mes corbeaux que j'ai chassés... Bah, en fait, le problème, c'est que tu crois que c'est toi qui les as chassés, les corbeaux. Et ça, je pense que c'est un des plus gros problèmes. J'ai des centaines d'heures de rediff sur YouTube qui me prouvent le contraire, mon gars. Oh, merci mais beaucoup, Vivix! Merci infiniment! Le métal de Tom Gum qui montre sa frimousse, merci beaucoup! Merci beaucoup! Gigi, Tom Gum pour ton sub du coup, mais merci infiniment, Vivix! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Et merci, Sullivan, pour le host! Merci beaucoup! Vous êtes adorable, genre! Pas du tout, j'ai l'impression. Donc ça voudrait dire qu'avec le Prime Gaming, là, vous avez, voilà, vous avez 20% de réduction sur les subs, c'est ça? Et salut Linkian, j'espère que tu vas bien. Coucou Linkian. Profite bien surtout, je sais pas où t'es actuellement. Mais c'est un bon toi, bonne vacances Linkian. Yes. Profite. Ah t'as fait au hasard et c'est tombé sur Tom Gold, mais putain. Mec, en vrai, la vérité. La vérité, je sais pas si ça peut vous arriver. Mais je crois que j'ai pas offert beaucoup de fois des subs aléatoirement dans ah, ma vie. Oui. Mais il y a une fois, j'ai offert un sub aléatoirement sur un chat et c'est tombé sur une personne que je détestais. J'avais tellement le seum. J'étais tellement pas bien et j'étais dégoûtée. Et du coup la personne elle croyait que je l'adorais du coup et j'étais là mais non. Le résolveur d'énigmes. C'est le Polo. Salut Polo, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien Polo. Je savais bien que c'était du hasard, j'en peux plus. Ah t'es bien. Coup dur. Attendez les gars, c'est quoi? Oh mon quatrième badge, comment ça ton quatrième badge? Le cadeau, je sais pas s'il peut s'afficher mec. Si je pense. Bah si, il devrait. Bah il a le badge VIP. Mais là il devrait avoir le cadeau 2, non? Normalement oui, mais après il en a peut-être tellement, tu sais. Il a déjà 3 badges, donc je sais pas si ça peut s'en afficher 4 d'affilée. Si j'achète une carte Google Play, je peux utiliser l'argent de la carte pour acheter des subs. Palou, si c'est une carte Google Play, j'en ai aucune idée. En fait, faut... Pas du tout, Palou. Vimix, est-ce qu'on peut avoir plus de 3 badges aussi? C'est ça les collections. Quelle sorcière cette personne? On est d'accord, Tim. Ah, oh, c'était dur. Hein. Quel gros fou. En tout cas, moi j'aime bien la petite icône pour les raids et les hosts. Moi j'aime beaucoup l'image. D'ailleurs, il y a Anao qui est en train de faire avec Nupi. On a accepté et tout. Là, on a confirmé ce qu'on voulait et tout pour badge des gens qui donnent des bits. Et spoiler, ça va être trop beau encore. Ça va être magnifique. Mais du coup, la question c'est est-ce qu'on change les gifts pour les bits ou pas? Parce que actuellement, les gifts pour les follow. C'est Lilo et Stitch, tu sais, qui déterre un truc. Et les gifts pour les beats, c'est Lilo et Stitch qui courent partout dans les croquettes. La question c'est, est-ce qu'on le change ou pas les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait un peu épuré comme les subs ou pas? Et merci Matix pour le host. Merci pour le host, merci infiniment. Quitte à servir de store, ils auraient pu mais au moins... De quoi tu parles là? De changer... Je parle du bot d'amateur. De changer le gif pour les beats. Ah, pour les beats. Salut Stitch, j'espère que tu vas bien. Coucou Zeddy, comment vas-tu? Ouais, 28 degrés, ça passe. Mais du coup, pour les bits, 1 bit c'était 1 cent, 100 bits c'était 1$. Mais voilà, c'est chaud. Et 1000 bits c'est 10$. De base. Ouais. Je sais pas si ça a changé depuis, mais de base j'avais noté ça. Pourquoi tu me dis ça du coup, Ben? Parce qu'il y a quelqu'un qui demande dans le chat. Ah, ok, bah c'est parfait. Ah, c'est trop gentil, Palou. En vrai, vous êtes adorable. Vous quand ça fait chaud sur Paris, ouais, quand il fait trop chaud, c'est horrible. Comment ça va sur Paris? Oh, est-ce que tu es au frais, Ziti? Tu as de quoi te rafraîchir? Moi, t'as vu, c'est un peu plus compliqué que ton cas. Hein. Ouais, c'est plus casse-tête, tu vois. En vrai, vous imaginez pas à quel point quand vous faites un sub et tout, ça compte pour nous, les amis. C'est vraiment. Ça nous soutient trop, énormément. Trop bien. Tic, tic, tic.
C'est vrai que là, l'énigme est un peu plus complexe. Légèrement, il y a un tout petit peu plus de parcelles. Exactement, exactement. J'ai le ventilo à fond. Ok. T'as bien raison, Izetti. T'as bien raison. Tu peux tomber? Ouais. Oh, il y a de l'eau, trop bien. Oh, par contre, il y a du chip-chip. Doit y avoir un chip-chip avec la pièce. Tu penses? Non. Je pensais, mais. J'ai peut-être surestimé les chip-chip. Je sais pas, mais à quoi ça servirait cette pièce si les chip-chip ils servent à rien? Je sais pas. Écoutez, on va les tuer, je préfère sûr. Ouais, exactement, Izetti, il y a plein de choses qui ont changé par exactement, rapport à tout ça. Izetti, totalement, même. Même comment la scène d'intro du trou et tout ça. Ouais, les gifs et tout et tout. Et la scène où on vous parle aussi, tout a changé. Du coup, Vimix, t'es chaud pour un Mario Kart, toi, ce soir ou pas? Aussi, je vais être sympa, ça sert à rien de compléter le modèle sans utiliser toutes les pièces, donc vous faites pas de fausse joie, ok. Ça marche, merci beaucoup, c'est pas. Ok, on a tué un chip-chip. Moi, je préfère les tuer, je pense qu'il y a un truc à faire, quoi. Non, mais t'inquiète, Vimix, soigne-toi, c'est important, t'inquiète. Aucun problème. Je peux faire 3 déplacements. Il y en a un, je peux faire ça. Mets tous les vénères ensemble. Ensuite, il y en a un, je peux faire ça. Attends. Mais oui, si tu mets les vénères ensemble, c'est bon. Mais non, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu veux que je mette tous les vénères ensemble, du coup? Ah oui, comme ça. Bah oui. Et après? Comme ça, tu rapproches ça. Ah non, ils sont pas côte à côte. Non, ils sont pas côte à côte. Mince. Ah, Rocket League Vimix, quel plaisir, quel plaisir. Mais c'est galère cette histoire. Hein. Et si chip-chip, c'est des casse-têtes. Hein. Ça m'énerve! Eh ben non. Mais ça dépend, des fois les patterns sont simples, les étiquettes, des fois ils sont compliqués. Exactement! Et dans ce cas-là, il est compliqué, ok? On va dire ça, effectivement. Ah, bah c'est déjà ça, Vimix, un diamant comme ça, c'est cool, hein? Oh, par contre, ils sont pas morts, là. Ah, si, il y en a qui est mort, marrant ça. Mais oui! Mais comme tout à l'heure avec les crabes, quand j'ai fait mon coup de marteau, il y en a un qui meurt et pas les autres. Pourtant, ils sont tous vénères, donc ils sont censés tous avoir le même nombre de PV, non? Bah... ouais... Ah, mais peut-être que si je le tape avant qu'on entre en combat, ah, ouais, ça lui enlève un tout petit peu de PV et du coup, ça suffit à le tuer lui et pas les autres. Ils me font quoi? Ils me font quoi? Ils ont fait une tour de chip-chip. À 3 déplacements, mais ils sont chauds de night, hein. J'aime pas du tout quand il y a autant de déplacements, moi. Hein. Oh la vache. Ah, mais je suis nul. C'est tellement la galère. Ah, mais si, c'était juste ça. Tu peux pas faire mieux que ça, en fait. Non, mais vous écoutez pas, j'attrape. C'est pas du tout une excuse quand c'est la vérité. Exactement. Allez, on le finit. Bon, par contre, ça a servi à quelque chose de tuer les chip-chip ou pas? Bah non, je pense pas, parce que t'as gagné des pièces en soi. Et les gens, ils font que dire d'économiser des pièces, donc il va nous en falloir, ça va servir de toute façon. Et t'as un champi. Les gars, ils savaient rien. Oh, merci Matix qui a dépensé 5 microquettes pour voir le casino. N'hésitez pas à dépenser vos croquettes en tickets, les amis. Oui, n'hésitez pas, point d'exclamation ticket plus le nombre de croquettes que vous voulez miser. Vous avez une chance de gagner comme de perdre. Bon, bah, apparemment, ça sert à rien. Ah, mais si, t'inquiète, tu peux venir me faire chier. Après, Vimix, je t'avoue qu'en ce moment, je suis pas trop en mode Rocket League, je suis plus en mode Fall Guys. Mais si, faut pas hésiter à me faire chier. Vous savez, je suis un gars comme un autre. Hein.
je suis totalement un gars comme un autre, qui va se faire défoncer par plein de crabes. Attends, c'était quoi? Ça servait à quoi le truc du pouvoir là? Tu l'as eu tout à l'heure ça, qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Je sais pas. Mais tu l'as eu tout à l'heure? Mais de quoi tu me parles? Bah le sac du pouvoir là, qui est sur le crabe. Ah je sais pas, je l'ai juste récupéré. Oh non mais... Mais je sais plus à quoi ça sert. Waouh, tous ces tickets. Bah... Vous faites bien de craquer le casino. Hein. Le casino referme ses portes, Anao est la personne qui a gagné le plus de croquettes avec 2 213 180. Les gars, j'ai raté mon coup de marteau tellement j'ai été impressionné. Matic, c'est la personne qui a perdu le plus de croquettes avec moins 6039. Les amis, Anao a gagné 2 millions. Je perds à mon propre casino, Matic, je suis navré. 2 millions. Je suis navré. Ah, ça sert à utiliser un pouvoir qui OS tous les mobs. Attends, du coup, si je fais ça, attends. 2 millions de croquettes, c'est. C'est quand même pas dégueu là. Donc là, si je tue, c'est bon. Du coup, tu as abandonné Trackmania. Aïe. Alors, en ce moment, je suis moins sur Trackmania, mais c'est juste par question de temps en fait. J'ai juste pris moins de temps pour y jouer, mais j'aime toujours autant. Hein. C'est pas un jeu que je considère avoir abandonné quoi. Pouvoir d'esprit, t'es prête, Lubi, ou pas? Ça part tellement en cacahuète. Go vers les 10 millions de croquettes. En fait, le problème avec Anao, en fait, c'est qu'elle joue pas dans la même catégorie que les autres. Tellement. J'ai l'impression, Elle est tellement au-dessus du game. Si, c'est ça. Comme ça. C'est bon, il t'en restera deux. Ouais, là, tu tournes. Nickel. Tout ça pour des pauvres crabes. Est-ce qu'ils sont si pauvres que ça? Ils nous pincent, hein, ils sont violents quand même. Hein. Ah, yeah, c'est clair, c'est clair. C'est des pinces en or, ça, non? Donc ils sont pas pauvres, hein. Ils sont richissimes. Marteau. T'as vu ça? Les excellents, comment ils sont magnifiques ou pas un peu? Non, mais par contre, j'ai fait un excellent, ils sont pas morts. Ils sont puissants, les bleus. Hein. En fait, le bleu, t'es obligé de faire un marteau brillant, quoi. Boum. J'aime bien le bruit quand tu fais d'excellent comme ça. Le crabe, c'est un peu un plat de luxe. Ouais, y a des autres gens du coup, des autres gens dans le chat qui sont chauds pour du Mario Kart ce soir ou pas alors? Parce qu'il faut pas hésiter à nous dire. Vraiment des moments où je me dis qu'est-ce qui te manque Coco là. Ouais, moi je serais toi, je... Non, reviens en arrière, prends, non c'était bien, mais prends ton crabe. Ouais, ouais. Tu le bouges d'un côté. Non, encore. Ok, là tu valides. Ouais, et tu le rebouges d'un cran pour qu'il soit à la bonne hauteur pour l'autre. T'auras assez de déplacement ou pas? Non, t'auras pas assez. Salut Rhys, j'espère que tu vas bien. Salut. Je suis pas d'autres gens, mais après on pourra faire du Roblox aussi, hein. Ce timing pour acheter du temps à la dernière centième de seconde. Non, il y a aucun timing. Il y a pas de timing, ça le fait automatiquement en fait. Je suis désolé. Hop, faut que je refasse The Last of Us 2 en mode une vie. T'as une vie pour faire tout le jeu, c'est ça, Fritard? Ah, mais je les tue même pas avec ça, quoi. C'est quelle indignité. Allez, t'aimes Gohan vivement qu'il y a Mario Kart 9 qui sort quand même. Et regardez, il m'a mis exactement la même petite position là. Attendez, attendez, on va réfléchir un peu. Si je fais ça. Mais mec, reviens en arrière. Ouais? Prends celui-là, ouais. Et va le mettre derrière l'autre là-bas. Ok? Ok. Et fais. Vas-y. Non? Ouais, je fais quoi? Bah, reprends-les et glisser. Ok.
comme ça. Si tu valides, là, il te reste combien de déplacements? Un. Hein? Ah, fais chier. Si t'en restais deux, c'était jouable. Il manque un. Oh, les gars! C'est bon, ça va se faire, ça va se faire. Ok. J'ai toujours pas fini le 1 et Fritter il refait le 2. Bah oui, mais Fritter c'est un grand fan aussi. Il attendait depuis tellement de temps. Y'a Dorilio qui veut proposer. Noob. Quoi? Y'a Dorilio qui veut proposer une solution. Bah tu peux proposer, mais je t'avoue, je comprendrai rien. Allez, allez, vas-y, vas-y. Allez, je vais vous dégommer comme ça, là. Putain, j'arrive pas à comprendre le truc. Il doit me manquer Non, je cherchais à mettre en mode carré, moi. Enfin, je crois. À 2,57€, non, j'en ai pas, Matrix. Il y a des moments, je comprends pas. Tu vois, je suis en mode, mais putain, je suis débile. Je suis désolé vraiment. Je m'en fous, il y a eu le panneau cannelé, c'est tout ce qui compte. Ok? Donc voilà, j'ai réussi. Ah là, il faut que je fasse du mode entraînement pour les parties regarde là. Regarde toutes les fentes qu'il y a. Bah ouais, ils étaient super nombreux. Tu montes pas? Ah si. Je croyais que j'étais descendu du coup. Oh, c'est une porte champie. Les gars, vous savez ce que ça veut dire? On va pouvoir. Oh, c'est un café! Un café? Mais quoi? S'il y a un robusto, je pète les plombs. Ah, pas loup, la piscine, ça ferait tellement plaisir. Oh, c'est trop mimi! Eh bien, regardez un peu qui vient prendre un verre ici. Oh, la musique! Oh, j'aime trop. Non, mais regardez! Le lustre! Les lustres, c'est des tasses à l'envers! Ah, ouais, les lustres sont beaucoup trop bien. Qu'est-ce que je peux servir? Un café sans pièces. Je dois dire que je m'attendais pas à voir un jour entrer ici, Mario. C'est censé être un endroit secret. Les sbires viennent ici se détendre après une longue journée d'aller et venue à patrouiller. C'est surréaliste de servir l'ennemi, mais tu es de notre côté cette fois. Alors je vais faire une exception. Tiens, tant que t'es là, Mario, t'es bien d'accord que les Goombas sont les plus forts des sbires, hein? En général, c'est bien nous que tu affrontes en premier, n'est-ce pas? La ligne de front, c'est nous. C'est vrai, vous êtes en première ligne, mais c'est la preuve que nous sommes les sbires favoris de Maître Bowser. Nous, les Goombas, on se donne à 110%. Ou alors, c'est que vous comptez pas beaucoup, du coup, je vous mets en première ligne. Tu rêves, mon pote. Nous, on se donne à 120%, partout et tous les jours. Ces favoris, c'est les Maskass. Tiens, qui pilotait la coupa mobile du patron pour ce grand sauvetage au château de Peach? Un Maskass. Et le type en origami qui a semé toute cette pagaille, hein? Il paraît qu'il s'était déguisé. En Maskass. Oh, fermez-la un peu. Désolé, Mario. Ces deux-là sont toujours en train de se disputer. Comme ça. Les Goombas, les Maskass, Mario et tous les sbires, on est tous faits du même papier. Maintenant, merci beaucoup pour merci le follow. Merci beaucoup pour le follow. Merci infiniment. Merci Maxime. Merci beaucoup à toi. Vous saviez que on peut enfin mettre la save de SNH sur le cloud. C'est trop bien ça. Ouais, mais c'est que en gros la save est valable uniquement en cas de vol ou en cas de casse de la Switch. Attention. Quand Stitch vient m'embêter, je montre le cheat. Tu montres le cheat et Stitch se casse. C'est magique. Eh ben, on a trouvé le repère des sbires. Hein. J'ai le problème de Joy-Con sur ma Switch. Du coup, j'ai un Joy-Con qui se connecte plus. Oh, ça. Je dois l'enlever et le remettre. Je sais pas du tout comment régler ce souci, Mathis. Je suis vraiment désolée. Mais par contre, ça nous servait à quoi de venir ici? Ça nous a avancé pour. Ah oui, si, on a eu un morceau, je crois. On a eu un morceau de. Ouais, on a eu un morceau, c'est bon. Pendant une seconde, j'ai cru que ça avait servi à rien. J'étais dégoûté. Mais en fait, tout va bien. T'as vu ça, ou pas? On examine. Alors,
ça va pas marcher. Ah. Il n'avait pas compris. Excusez-moi, les amis, excusez-moi. Il ne se passe rien, il va falloir se creuser un peu la tête. Mais bon, deux têtes valent mieux qu'une. Pas sûr, ça. Faut que je fasse quoi du coup? Bah, faut que tu fasses en sorte que la ligne. Tu sais qu'on joue comme ça, moi j'étais nul à l'époque. Hein. Mais du coup, il faut quoi? Que ouais, on fasse un chemin complet, c'est ça? Dans ces moments-là, tu fais au hasard jusqu'à ce que ça marche. Non. C'est comme ça là. Hop, hop. Voilà. Si tu fais vraiment hasard, on en a pas. Il m'a énervé le fou, mec. Quoi? Mais attends, vous êtes vraiment énervé? La pièce va encore, tu vas où? Mais attendez, les gars, moi j'en sais rien du tout. Attendez, vous êtes en train de me dire que c'est un truc méga chaud? Commencez à me mettre pas bien du tout là. Toujours au hasard au début. Le genre d'énigme que je hais. Toujours au hasard, toujours au hasard. On ne réfléchit pas, on aligne. C'est toujours galère ce type de. Le hasard parfois il prend son sens, mais exactement. Parce que regardez. Alors si tu vois du sens là-dedans, tu vas m'expliquer. Que... si tu vois du sens là-dedans. J'ai un peu du mal quand même. Hein. Pour le moment, on est sur le pur hasard, les amis, n'oubliez pas. Non, mais lui, il va vraiment jouer ça au hasard. Voilà, voilà, voilà. Ok, donc en fait, ce qu'il faudrait... Je suis obligé de la mettre, les pièces manquantes, là? Oui. Ah, tu fais quoi, là, Nubi? Attends. Tu fais vraiment ou tu fais encore au hasard? Ah non, je le fais vraiment. Tu me prends pour qui? Bah pour un gars qui le faisait au hasard jusqu'à maintenant. Je peux t'aider. Attendez les gars, attendez. Laissez-nous galérer un petit peu quand même. Parce que là, du coup, si j'avais ma pièce. Métro. Anao, exactement la même. Du quoi? Genre les puzzles comme ça, je savais trop les faire quand je jouais à Ma Bimbo et à Acromimi quand j'étais petite. Ah ouais? Ouais. Et ça va nous aider là, tu crois? Bah, je peux essayer, mais tant que je l'ai pas dans les mains, je vais pas y arriver. Non, bah attends. Juste de tête comme ça, j'y arriverai pas. C'est juste que je veux. Je vais un peu galérer mes morts, tu vois. D'accord, bah si tu tiens. Ça, le fait que ça aille vers le haut comme ça, ouais, c'est pas mal. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Voilà. J'en veux plus. Bah alors les mecs? Bah alors? Alors? Par quelle magie? Quoi? Non, sérieux? Non? Mais sérieux, vous êtes sérieux? Ça marche pas? Ça ne fait rien du tout? Non! Vous m'avez cassé comme ça? Faut utiliser 9 pièces! Bon, recalculons alors. Putain, j'ai dansé et tout, j'étais méga chaud! Tout ça pour ça! J'ai dansé pour vous, moi, les gars! J'ai dansé pour vous! Non, mais tu m'abuses! J'ai dansé pour eux. Non, bah attends, Nubi, j'ai pas fini! D'accord. Mais en fait, il faut utiliser toutes les cases. Donc ça veut dire que déjà, là, tu dois avoir un truc qui part par en bas. Ouais, parce qu'il faut utiliser la zone du bas. On va le faire ensemble, Yubi. C'est obligé. Voilà. Ensuite, la pièce que t'as montée, là, il faut la remettre en bas. Attends. Voilà, non, comme ça. Ouais. Ok. Il faut utiliser les 9. Voilà la difficulté de cette merde. La fausse joie, mais grave, moi j'ai dansé. J'étais en mode, alors les gars, on s'est tous fait avoir du feu. Et surtout que vous m'avez dit, c'est super chaud. J'étais en mode, mais si ça passe. Franchement, je suis un génie. Pendant 2 secondes, vous m'avez fait croire que j'étais un génie. Essayez de mettre les 3 pièces avec ligne horizontale au milieu de haut en bas. Ah, oui, que ça soit au milieu à chaque fois. Moi, je pense que ta pièce là, il faut qu'elle soit là. Exactement, vous avez raison. Il faut que ça fasse le maximum de placement. Sauf que là, il faut que t'aies la pièce qui est là, ouais. On va briller. Non, t'inquiète. Attends, on va la dégager, l'autre. Tac, tac.
Ce qui est marrant quand même, c'est que je fais tout et n'importe quoi et j'arrive quand même à avoir la structure que je veux. Donc du coup, par rapport à ça, je trouve ça sympa. Ah oui, mais celle-là, faut qu'elle soit où? Attends, attends, parce que celle-là... C'est grave s'il y a des embranchements qu'on n'utilise pas. Parce que sinon, ce qu'on fait... En haut à gauche, t'as forcément la pièce manquante. Oui, bah ça, je m'étais douté. Pas de soucis, Vimix. Bon repos à toi surtout. Et puis, mec, on croise les doigts pour toi. La pièce qui est là, c'est pas censé être celle-là, c'est celle-là. Ah ouais. Ah, je comprends. Je comprends, je comprends. Du coup, je comprends. Parce que du coup, je me posais la question. Ok, ça marche. Ok. Et ensuite là, tac, 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 tac. Ok. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles, t'as les deux pièces avec du haut. Avec un petit embranchement, on aurait été nickel. Les deux pièces du haut, tu les inverses, tu places la dernière et t'étais bon. Ouais, pour inverser, ça se passe comment? Il faut que je fasse ça. Et le professeur Layton, c'est que des trucs comme ça en plus. Non, non, c'est pas que des trucs comme ça. Non, mais mec, ça me ferait péter les plans. Je sais. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas que des trucs comme ça. Ok. Non, touche pas en haut. Moi, j'aurais touché en bas plus qu'en haut, mais... Ok. Putain, mais... Attends, 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 attends. Ok. Il faut tout, sinon tu peux demander à Olivia si tu galères trop. Mais je suis sûre on peut y arriver. Et voilà, il a réussi. Anubi. On a fait du full hasard. Du full hasard. Donc, voilà, mais c'est passé. En vrai, tu sais, j'interverti vraiment comme ça. Et ça se passe bien, quoi. Bon, bah, on a chéri, voilà. En vrai, ça va, on est plutôt content parce que... Bah, on s'est pas énervé, quoi. Et ça, ça n'a pas de prix. En vrai, on s'est pas énervé sur l'énigme. En plus, t'as vu, on a fait ça tranquille. En fait, tu peux deviner l'emplacement de toutes les pièces en réfléchissant. Bah l'emplacement oui pour les mettre un peu moins, mais je fais tout en mode YOLO moi Dorilo, tu sais. Bon en tout cas, merci Dorilo pour les conseils sur le temple de l'eau, Dorilo. Non t'as pas du tout énervé, attends quoi Sky, j'ai ragé une fois. Parce qu'on m'a, j'ai eu un faux espoir, mais parce en vrai que ça va, on a il pas ragé. Il a ragé une fois parce qu'il a fait une danse de la joie alors qu'en fait il avait pas gagné. Voilà, moi je déteste faire une danse pour rien Sky. C'était ça le vrai problème. Le vrai problème c'était ça. Les casquettes, elles sont vos casquettes, disparu. Elles sont sur notre porte-manteau. Vraiment, quand même, voir jamais. C'est vrai, c'est bah, en vrai, moi ça dépend vraiment du. En fait, ça dépend. Mais quand ça commence à me demander quand même pas mal de patience, ça devient compliqué. Pourquoi je suis ici en fait déjà? Je dois aller où? Bah à gauche, ça t'a débloqué le tuyau, mec. Hein. Quel tuyau? Là, à gauche. Ah ouais, c'est vrai. Il a pas fait gaffe. Attention. Ok, ça va nous faire tomber ici. Ah, oh. Quelle beauté quand même. Et du coup, ça ouvre la gueule du dragon. Ok. La gueule en grand. Ça se peut l'eau vers la gueule en grand. Qu'est-ce qu'il a l'air féroce? On dirait qu'il va rager. Attends, c'est ça le cri d'un dragon énervé? Et là, dans sa bouche, je rêve ou? C'est un escalier. Tu crois qu'on peut s'y aventurer ou que c'est juste une ruse pour nous manger tout cru? Moi je pense qu'il faut y aller, tu vois. Faut y aller, mais c'est aussi une ruse. Je crois que tu peux descendre, noob. En bas, il y a des trucs à déverrouiller en descendant. Mais je sais pas c'est quoi pour le moment. Y'a un toad ici? Vous avez gagné le droit d'affronter le boss. Bon, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a un boss pas loin, mais il y a surtout un toad pas loin.
Non, pas loin, on en a déjà fait un de boss. Ouais, on a déjà fait même deux. C'est sûr, il est en dessous. Il est en dessous, ton Todd, il est en bas là. Ah ouais, je le vois, c'est bon. Tu vois? Comment on fait pour y aller? C'est plus tard, là, tu crois? À droite. Va à droite, trop tard. Mais à droite, droite? Oui, va à droite. Mais attends que ça s'ouvre. Va à droite, et là, tu descends. Ah ouais. Excusez-moi, mais j'avais envie de le frapper. Les amis, ça fait une heure de plus qu'on est en live. Du coup, on va afficher le classement d'aujourd'hui s'il s'affiche. Yes. Merci parfait. À Skywilly, Tengen, Anao, Kishi, le petit geek, Supa, Mogwai, Alissa, Matix, Captain Abarae et Dorilo qui sont premiers du classement de ce jour. Merci à Fritter et à Padou qui sont deuxièmes. Merci à Sushiro qui est troisième de ce classement. Et merci à Vimix, Nintendo, Hatsunet, Team Valerian, Izeti, Sylvain et Camille qui font également partie du classement. Et merci aussi à tous ceux qui ne sont pas dans le classement qui sont là. Merci à vous on tous. On est beaucoup, oui. Il marche comment ce classement? Alors, normalement le classement, là il est un peu faussé parce que le bot était pas pendant une heure il était pas actif, on est désolé. Voilà. Normalement le bot il fonctionne sur votre taux de présence sur le live en fait. Plus vous êtes présent longtemps sur le live, plus vous êtes haut sur le classement. Et là, vu que c'est le classement d'aujourd'hui, c'est sur le live d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais vraiment... vous n'avez pas forcément besoin de parler dans le chat. Même si vous êtes en team silencieuse, vous pouvez être dans le classement. Re petit geek. Je me disais pas que c'était bizarre que je sois dans le classement. Ouais, là, en fait, on n'avait pas vu, mais le bot, malgré le fait qu'on pensait qu'il était lancé parce qu'il était allumé, bah, il n'était pas lancé. Du coup, on a dû le relancer en plein live. Et ça faisait déjà une heure qu'on était en live. Mais gros, je vois rien. Pourquoi ils sont tous séparés comme ça, là? Ok. C'est passé. Mais il était lancé, mais il n'était pas lancé. Bah, le bot nous affichait qu'il était en ligne, mais il n'était pas. Voilà, c'est ça. Merci pour le GG, Palou. Mais ouais, le classement, c'est une manière de remercier mais tous les gens qui sont le plus actifs, tout simplement. Tout simplement. Ouais, il nous a fait une douille. Mais il y a un max du nombre de pièces ou pas? Je sais pas. Ouais, il faut sauter super haut pour les chauves-souris. Oh, il y a un coffre aussi, tiens. Oh, Mario, heureusement que tu m'as remarqué. Je m'étais déjà résigné à une longue et inutile carrière de store des cavernes. Ouais, parce que c'était un vieux store. Par contre, ça c'est cool, on a des PV en plus. C'est la deuxième fois qu'on a ça. Quand tu donnes des PV max comme ça, c'est quand même super. Ouais, c'est la deuxième fois qu'on a gagné. Là, on a gagné 10 PV en tout, c'est cool. Tu crois que tes PV viennent encore d'augmenter, Mario? Ok. Ouh, je sais, tu avais tellement à cœur de me sauver que ça a fait apparaître un vrai cœur. Incroyable. Les amis, c'est le pouvoir de l'amour qui a fait ça. Parce qu'on a tout donné pour sauver ce Todd. Peut-être que si je me concentre sur mon creux à l'estomac, un bon petit plat apparaîtra. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. On a sauvé tous les Todd, les amis. Parce qu'on est des sauveurs. On donne tout. Tous les Todd du sanctuaire. Mais tu peux pas entrer. C'est par en haut que tu peux entrer dans la caverne. Ah, par là. Je sais pas par où tu peux entrer. Oh. Oh là 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 là. C'est le pouvoir d'amitié, exactement. Le live Papa Mario, il se finit quand? Bah, en fait, il se finira quoi? Il se finira. Je sais pas exactement quand. Quand mais, on va commencer et en à gros, avoir... après, on fera vraiment une pause, on va manger tout ça. Grosso et on modo, ça va se terminer quand on va commencer à avoir sévèrement la dalle. Exactement. Grosso modo, c'est ça. Cœur PV max plus. Ou alors, tu veux juste 100%. Faut pas 100% des mini trésors. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Izeti. Ah, on gagne aussi de la force avec les PV. Ah ouais. Spoil, il y a l'esprit de l'eau. Dans ce temple. Ah ouais, le temple de l'eau. Noël, du coup,
on y retourne quand, enfin on arrête le stream quand on a la dalle de fou. Mais ouais, peut-être que du Mario Kart plus du Roblox, ça peut être très sympa. Hein. Mais il faut qu'on voit s'il y a des mini-jeux qui sont sympas, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ouais, sur Roblox, faut que je vois. Parce qu'en fait, Roblox. Bon, désolé, Tim, mais c'est un peu de la merde. Non, mais je rigole. Non, Roblox, non. Ça peut être non, vraiment non, ça, c'est très sympa. C'est juste il y a plein de modes et tout. Il faut varier. Il faut les juste que les modes soient sympas, quoi. Ouais. En plus, on joue avec la manette Switch. Tim va tout casser. Tim, là, il est vénère, là. Les amis, troisième boss de ce jeu. Mais regardez l'eau, pourquoi c'est de l'eau réaliste maintenant? C'est trop bien Paper Mario là-dessus. On est sur de l'eau réaliste. Alors qu'il y a deux secondes, c'était de l'eau en papier. Wow. Il est trop stylé. Ah! Il est en origami lui aussi. Comment est-ce que ça a bien pu se retrouver plié? Il a bien pu se retrouver plié comme ça. Il a pas du tout la même tête que la statue de l'entrée. Il faut qu'on l'aide à remettre les choses à plat. Exactement. L'eau a l'air si fraîche, mais totalement Sky. J'ai ça tellement rafraîchit, envie là. De me baigner dedans. Ça, ça fait tellement longtemps que je me suis pas baigné. Ouais, c'est un vrai esprit de l'eau du coup, ouais. Oh, regarde ces trompes d'eau. Mais l'eau elle est trop bien, j'adore. Je m'attendais bien sûr à ce que l'esprit de l'eau sache contrôler l'eau, mais pas comme ça. Pas en vrai. Ah, levé de trombe. Ok. Je sais pas, il faut faire quoi? Moi je l'attaquerai au niveau de sa queue parce que c'est le seul truc qui touche quasi le sol. Tu crois? Ça se trouve c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein, mais moi dans ma tête je crois ça. Du coup, faut qu'on s'occupe des trompes qui tournent ou pas, tu crois, toi? Je sais pas. En fait, je pense pas que tu vas pouvoir les dézinguer, en fait. Ah ouais? Je pense qu'il faut juste éclater. Bon. Je vais prendre une case astuce pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire. On peut porter quand même. Ouais, pour les Toads, c'est dangereux, là. J'avoue que ça a l'air assez dangereux, j'avoue que la tornade elle est pas loin des deux petits toads là en bas à gauche. Ah mais t'as vu? La tornade elle enlève les trucs. Elle enlève les cases. Ah du coup ça peut t'en... Ah ouais. Du coup faut calculer ça à chaque fois dans tes déplacements en fait. Parce que ça peut te niquer un déplacement. Bon bah du coup on est... Si l'esprit de l'eau prend son envol, rabattez-le au sol d'un saut, puis à séduire. Et ensuite le coup de marteau. Saut, coup de marteau, ok. Donc là il faut que je saute alors. Ben je pense là il est envolé hein. Oh, il est à terre! On peut pas savoir si on essaye pas, c'est vrai. Les combats de boss sont très très sympas dans le jeu. Là-dessus, y a rien à dire, quoi. Tu n'as pas, toi... toi aussi, cette impression que l'esprit de l'eau, c'est... gorgé d'eau, si. Il a absorbé cette eau comme une éponge. Bah, il a bu, quoi. Il va nous cracher de l'eau à la tronche, on va rien comprendre. Utiliser les flèches, ok ça marche. Je vais voir s'il y a une autre astuce, ça m'arrangerait bien. Et on va lui faire le double saut. Ouais ça me paraît bien comme ça parce que du coup on arrive... Ah non il y a une trombe là-bas. Bah oui. Et bien vu. Tu la bouges. Si tu la bouges pas tu seras niqué. La bouge à droite non? Ah là j'ai pas trop le choix. Du coup voilà, ensuite on va mettre la case pour le saut, enfin pour l'attaque, et le truc x2. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne l'énigme ou ça? Allez on va prendre une fois encore l'énigme pour voir s'il y a un truc en supplémentaire, et si c'est pas le cas après on prendra les cases objets bonus quoi. Ah bah non, c'est exactement la même astuce, donc on prend plus maintenant. Ouais, non, je suis d'accord, Dorilo, il est très sympa le boss. Hein. On va prendre le marteau brillant. On va essayer de les dégommer un peu là. Excellent. Boum! Qu'est-ce que tu dis de ça, mec? Aïe. Regarde, il a plein d'eau, il devient obèse. Il devient obèse, gars.
Qu'est-ce qu'il va faire? Comment tu peux encore voler? Je sais pas comment il fait pour encore voler là. Ouais, le boss c'est plus que ça, bah en vrai j'imagine. On va se mettre le truc x2. Je sais plus ce qu'il fait le truc x2. Ça s'appelle chasse d'eau quand ça nettoie tout. Ok. Je suis sérieux, nous, mais j'ai fait des boss plus que toi et jamais cru possible de faire coulisser les cases. T'as jamais vu qu'on pouvait faire coulisser les cases, c'est ça? Bah, je suis content de vous apprendre des trucs. C'est ouf, mais non, il faut pas se battre. Allez, t'es à terre. Ça servait à quoi le truc x2 là? J'ai pas attaqué deux fois donc je sais pas à quoi ça sert. Là il est mort. De l'esprit de l'eau. Il va mourir là. Il va mourir explosé. Il lui met quelque chose, Mario. Sois sur tes gardes. Il va tout cracher, ça va être dégueu. Utilisez les flèches. Moi je peux récupérer un peu de vie. Ça te sert à mettre le double de dégâts. Ah oh. Ça marche. Ouais, récupère un peu de vie. Ça peut être bien. Voilà, je récupère la dégâts. Et du coup, qu'est-ce qui est mieux? Augmenter le double des dégâts ou attaquer deux fois? Ça revient un peu au même du coup, non? Je sais pas si vous avez... voilà. Ah oui, je devrais mettre les bottes plus fortes, c'est ça? Merci beaucoup. Merci pour le host. Léonie Tournier pour l'host. Merci beaucoup à toi. Léonie, bienvenue, comment vas-tu? Je vais prendre cher, c'est ça? Wow, wow, wow! C'est l'Oréaliste! Ok. Bah c'était super stylé. Salut Léonie Tournier. Et bah c'est pas une énorme. Ça m'étonnerait pas qu'il nous en refasse le coup. Il faut qu'on trouve un moyen de se protéger d'ici là. Merci Dorilo, ok ça marche. Ah, cette attaque a visiblement épuisé l'esprit de l'eau. Profitons-en, c'est l'occasion. Bah attends, il peut pas faire une attaque vague et ensuite ne pas être épuisé quoi, c'est impossible. Impossible. Ah mais il est en PLS total là. Ok, ok. Ouais, là, tu peux tout utiliser, il n'y a pas de tornade. Attendez, attendez. Ah, c'est dommage, je tombe pas pile dessus sur un truc qui m'aurait pu être utile. Du coup, on va l'attaquer une fois de plus. Ouais. Après, il y a les trucs de magie aussi, hein. Ouais, mais ils sont pas activés encore. Faut qu'on aille dessus pour les activer, tu crois? Mais je suis pas sûre que ça soit plus efficace en soi. Bon, allez, je vais l'attaquer, mais c'est vrai que je sais pas ce qui est mieux en fait. C'est mon seul souci. C'est qu'actuellement, je ne sais pas ce que c'est le mieux. Je vais très bien et vous? Bah ça va super. Ouais, on a loupé une mécanique. Ok, ok. Attaquer deux fois, c'est mieux car il permet de ne pas atterrir plus faire un marteau. Attends, il permet de le faire atterrir plus faire un marteau. Parce que tu sautes et après, tu fais ton coup. Lugia attaque, il en blast. Ah ouais, 18 de dégâts, là, il aime pas. Hein. Il est toujours trop épuisé? Ah. Pour attaquer, ok, mais pour se défendre, non. Le truc, c'est que est-ce qu'il vaut mieux que je l'attaque ou est-ce qu'il vaut mieux que j'essaye de faire les points de magie? Moi, c'est un peu ça qui me perturbe en fait. On va essayer d'activer un truc. Hein. Il y a un moment où on est joueur. Par exemple, la carapace de la tortue, ça s'active ça ou pas, Nubi? Mec, il te nique une case sur deux. Attends, attends, attends. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que là, je fasse ça. Et ensuite, je fasse la tortue. T'en penses quoi, Nubi? Essaye. J'essaye, hein. On verra bien. Parce que du coup, je connais pas du tout, moi. On se soigne un peu. Est-ce que... Ah, j'en fais qu'un, c'est ça?
Ouais, je crois. Qu'est-ce que je fais là? Alors, c'est les bras multiples. Ah ouais. Ah. Il fallait qu'on lui saute dessus avant. Par contre, il va nous dégommer, non? Je sais pas. Non, ça va. Du coup, j'imagine que les deux attaques, faut être au sol, quoi. Faut qu'il soit au sol. Ok, bah c'est bon à savoir. Hein. J'imagine que si on lui roule de coup, ça fait coup dur. Ouais, je sais, petit geek. Mais ouais, je pense que si on lui fait la roulée de coup, ça doit lui faire super mal, quoi. Donc là, je suis déjà pas mal de base. Ce que je ferais... Ouais, il faut qu'il... En fait, tant qu'il est pas à terre, ça sert à rien. Voilà. Là, on va lui mettre méga cher, là, on est d'accord. Là, j'ai le x2 plus le bloc et l'attaque. Vas-y. Ah, j'ai encore un déplacement. Bah, t'es pas obligé d'utiliser, si? Non. Bon, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien pour le boss, quand même, là. Pour le moment, hein, du moins. Vous voulez qu'on lui mette méga cher, c'est ça que vous disiez. On va lui faire les boîtes brillantes. Et ensuite, on va lui faire un coup de marteau brillant. Ok? La tortue, je sais pas du tout à quoi il sert, c'est le problème actuellement. Les gars, autant dire qu'il est mort là. Okay. Il aura pas le temps de nous refaire un gros coup, je pense en vrai. Tu penses? Non, je pense pas. Du coup. Bah, c'est con parce que du coup, j'aurais même pas vu ce que ça fait exactement. Si je peux encher. J'ai oublié d'attendre. Ouais. Ah ouais. Hein. Tu crois qu'il faut que j'essaie de faire la tortue pour le fun, ok? Ça te va, Nubi, si j'essaie la tortue pour le fun? Là, le truc, c'est que ta flèche d'en haut, elle va te mener droit vers un tourbillon. Ah oui, bien vu, j'avais pas fait gaffe. Mais tu gères pour le timing du marteau, j'y arrive jamais, moi! C'est pas évident, en vrai. Hein. Moi, à chaque fois, j'ai toujours trop peur, je le fais souvent trop tôt. J'ai trop peur de rater mon coup. Voilà, on enche. Alors, bah je vais aller voir ce que ça fait la tortue parce que je suis curieux, tu vois. Oh, ça n'a rien fait du tout. Fallait que j'active, c'est ça. Mais il est à terre là? Oui. Oh merde. J'avais pas fait gaffe qu'il était à terre. Je suis trop bête. Parce que du coup j'aurais pu essayer de faire la magie, quoi. Il va pas exploser, tu crois? Si, il va exploser encore. Ah ouais, je sais, ouais, j'ai pas fait gaffe. Faut trouver un abri. Non, mais là, il est mort. Hein. Là, il est mort. Bon, bah écoutez. Fallait activer le truc on. Oui, bah oui, je me doute, c'est le bouton pour activer les trucs de magie. La tortue, je sens qu'elle va servir à rien, dites. Du tout. Je le sens gros comme une maison, elle sert à rien la tortue, hein, je vous l'annonce. Ah! Donc la pouvoir de la tortue, en fait, j'ai fait un super bon moment alors. Ah, mais là, il est en l'air, mon gars. Ouais, mais regarde ça. Ça marche quand même en l'air. Regarde, mais c'est plus la terre. Du coup, je me prends pas la vague en fait. En vrai, j'aurais pu le buter, mais c'est pas grave. Les mécaniques sont vraiment sympas. Hein. Regarde comment il est deg là. Et voilà les gars. Jamais, ah, je suis désolé. Jamais dans l'extrême avec nous. Jamais. On va le finir avec un coup de main, les gars. Ça va être légendaire, je vous préviens.
Toujours plus. Je suis vraiment désolé. Regardez comment je dis. Je ne le respecte pas du tout. Regardez ça. Salut Balax, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On l'a fait, salut Balax. On a tous nos poudres. Enfin, on l'a pas tué. Dis-tu les gens, là la musique vous l'entendiez bien, hein, parce qu'on avait testé avec la musique de Fall Guys, mais là la musique vous l'entendez bien quand je fais ça là. Je crois que oui. On a réussi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est... On est quoi, Nubi? Des ninjas. Des ninjas. Voyons voir. Ah oui, je vois. D'abord, on marque tout ce pli là. Ensuite, on va passer cette partie, on retourne, on pivote, on plie, on replie et on re-replie. Regardez ce qu'on a invoqué. Youhou, j'ai démystifié le pli du grand esprit de l'eau. Allons, essayons ce nouveau pouvoir, j'ai hâte de voir ça. Bah il est très très bien Bala, enfin moi j'aime beaucoup. Hein. Ah ouais, tu prenons 0 de dégâts. Ah oui, du coup, ok, je comprends. Ouais. Fallu, c'est totalement ça. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on est ensemble. Non, parce qu'on est des ninjas. Excusez-moi les gens. Merci pour les GG en tout cas. On a réussi ensemble. Incroyable. Eh bien, est-ce que j'ai aussi fière allure que l'esprit de l'eau? Oui. Moi, je trouve que oui. J'ai l'impression d'être très, très hydratée, surhydratée. Je déborde. Je délire, je recule. Le bide. Ça, c'est un gars qui a mangé trop au resto, tu vois. La classe. Mais regardez, ils ont mis de l'eau réaliste. Ça me tue, regardez-moi cet effet! À quel moment ça arrive, ça, les amis? Je comprends pas. C'est trop beau. On a réussi, hein. Merci beaucoup! Merci pour le follow, merci! Merci beaucoup pour le follow, Kuroko! Merci, Kuroko! Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien! Tu m'as regardé, dis, j'étais comment? J'avais la classe, hein! Tu trouves que j'avais la classe? On va pouvoir remplir le lac à sécher sans problème maintenant! Hihi! Exactement. Nubi, je te laisse aller jusqu'au lac à sécher et tu vas le remplir. Et après, possiblement, on ira manger. Possiblement, je pense. Et du coup, on se retrouvera ce soir, si vous le souhaitez, si vous avez envie, pour des jeux multijoueurs, un petit peu en mode déconnade, où on joue avec vous, tout ça tranquille. Voilà, voilà. Bon, pareil, Bobby est plus devant le temple. Oh merde, c'est tellement vrai en plus. En plus, on a fini 100% du temple, là, je crois. Ouais, je crois. Je crois qu'on a eu... Ah, les toits, tu... Si, je crois. Si, les trésors. Je crois. On pourra vérifier, mais je crois. Il manque les trésors, je crois. Je suis pas sûre. Non, Bobby, il est là. Tu es là, j'étais sûre que tu serais allé te perdre quelque part. Bobby, toujours tu là. Tu as raté quelque chose, les spilos étaient super cool. Et on a de nouveaux pouvoirs. On a un nouveau pouvoir. Il y a un peu de soucis, c'est chaud, t'inquiète. Hein. C'est vrai. Tu dirais que les spilos valaient le détour. Mais ils contrôlent juste l'eau, non? Bon, si l'occasion se représente à nouveau, j'essaierai de le voir moi aussi. L'occasion va se présenter très bientôt. Ne t'en fais pas. Retourne au lac et montre-lui. Allez, viens avec nous, Bobby. Fall Guys, on joue sur PC et PS4, Matix. Ouais, c'était un peu obligé, hein. Faut pas déconner. Pourquoi tu me regardes comme ça? Alors, on a tous un suspense sur le remplissage du lac et toi tu fais des combats, lui. Non, en vrai, si tu les alignes en 2 secondes, c'est bon. Ouais, aligné de manière logique. Ok, c'était l'inverse que moi je pensais, mais c'est parfait, ça marche, hein. Ouais, et les deux derniers. Allez, défense le Nubi. Moi je vous dis, Fall Guys, vous savez, comme on a dit, le 100%, vous vous rappelez l'histoire du 100%? Fall Guys, j'ai envie d'avoir un 100%, j'ai envie d'avoir tous les costumes, j'ai envie de les collectionner, j'ai envie d'avoir la pure classe, les amis.
Ah, c'est trop cool, Dorilo. Vous allez le faire tout à l'heure. Aucune idée, Matix. Aucune idée. De quoi? Fall Guys. Bon, on peut, hein. C'est un jeu multijoueur. De base, on aimerait faire du Mario Kart pour jouer avec vous. Peut-être du Roblox pour jouer avec vous. Et après, en fin de soirée, si vous voulez qu'on fasse du Fall Guys, on fera du Fall Guys. A voir, hein. Ah, merde. Boîte de fer. Ok. Ouais, non, mais moi, je... Vous savez, on a reçu les origamis par Nintendo. On vous en a montré. Regardez ça. Un petit origami champignon. Là, je peux vous dire, on en a chié. Hein. Et en plus, il est pas parfait. Mais voilà. Et voilà. Derrière, hein, c'est un monstre. Ah, c'est pas par là. Je vais descendre encore plus bas, en fait. Faut que tu prennes un tuyau qui soit à toi, je crois. Non, Noobie. Mais c'est dur. Et tu l'affrontes du coup? Bah, je préfère y aller que celui qui m'attaque. Non, je vais te montrer le tuyau, t'en fais pas. Y'a Stitch qui veut faire un petit coucou, donc regardez ça. Ouais, je sais, Splatoon il est un peu mort, Tem Gun, c'est vrai. Enfin, est-ce que tu le considères mort toi ou pas? Mais après, du Splatoon ça peut être sympa aussi, hein, mais voilà. D'abord ceux qui sont vénères. N'hésitez pas à spammer les mots Stitch, ceux qui l'ont. Parce que quand Stitch fait son entrée, il a envie d'être acclamé en fait. Le roi Stitch. Hein. Bah ouais mon chat. Elle est pas trop dure la vie Stitch. Non. Non, je crois que ça va toi. Hein. Je crois que ça va. Ouais, 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 les câlins, ouais, ouais. Donc, mais actuellement, si tu joues à Splatoon, tu trouves quand même des combats ou pas? Des matchs ou pas? Donc là, ouais, le tuyau d'en haut, et t'es nickel. Ah, oh, Stitch, je sais que t'as été acclamé, que tu kiffes ça, mais je vais devoir utiliser mon arme secrète, le pshit. Ah. Rien de mieux que sortir le pchit. Ils détestent tout ça les chats. Je vais peut-être m'acheter Fall Guys ce soir. Bah, moi, vous savez, je vous conseille Fall Guys de ouf. Mais... Mais c'est pas là. Mais là. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un dans le chat. Attendez les amis. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un dans le chat qui, on peut dire, voit un petit peu par les étoiles. Qui dit à tout le monde que Fall Guys c'est de la merde. Et de ne pas l'acheter. Mais moi bien sûr que je vous dis de l'acheter les amis. Bien sûr. Je ne dirai rien. Je ne ciblerai pas cette personne. Non, en vrai Fall Guys est très très bien. Donc si vous intéresse, faut pas hésiter quoi. Regarde. Les orques de Sky. C'est des orques, des ogres. Ah du coup il y a des modes Stitch, Lilo, Noobie, Akon et mode Noob. Alors c'est par rapport aux émotes, on a plein d'idées. On pourrait faire plein de choses. Le problème c'est que quand on est juste affilié comme nous sur Twitch, on est très on peut plus en avoir. En fait vous avez tellement géré sur les subs qu'on a débloqué plein de paliers des émotes. Mais aujourd'hui on peut plus en avoir plus en fait. Le seul moyen qu'on en ait plus, c'est qu'on passe partenaire. Voilà. Et c'est pas d'actualité parce que les conditions sont compliquées à remplir. Ouais, les conditions pour être partenaire sont vraiment chaudes. Mais du coup, voilà. Voilà, les émotes, on peut pas en mettre plus pour le moment, quoi. Je ne blâme pas cette journée de sitôt. Mais t'as vu toute l'eau? Vous avez vu un peu comment elle c'est trop sympa? Elle est trop belle, l'eau. Les musiques sont trop bien. C'est vraiment une ambiance, tu sais, Mulan et tout, quoi. J'aime beaucoup trop. C'est plutôt confortable là-dedans. Un peu comme dans un cocon. Mais hyper stylé. Il est trop bien. On entre est bien ses dans bains. Cet espace réduit. T'as vu qu'il y a un beau coffre là-bas? Ouais, j'ai vu, mais je fouine. On a rebouché tous les trous. C'est parfait. Wow! Le marteau pilon! Pour frapper à distance. Oh, parfait, écoutez. Parfait, ça nous va très très bien. Youhou, Mario!
Ah ah, super. C'est beau la nature. En vrai, on va vraiment se concentrer beaucoup plus sur Twitch maintenant que YouTube, on a laissé un peu de côté. On en parlait d'ailleurs un peu avec notre team de notre côté. Mais en gros, notre rêve, effectivement, ça serait de passer partenaire juste pour les émotes. Parce que quand tu passes partenaire, on a une vingtaine d'émotes en plus, donc on pourrait vraiment faire des trucs ultra cool. Mais pour ça, il faut qu'on soit plus actif sur Twitch. Et après, bah, c'est un peu une question de chance, il faut que les gens arrivent et tout. Mais en gros, la seule condition qui nous manque pour être partenaire, mais c'est la plus grosse entre guillemets, c'est qu'il faut qu'on soit 75 en moyenne sur les lives. Et 75 sur un Paper Mario ou un truc comme ça, c'est ultra dur, tu vois. C'est pas le jeu ultra populaire. Si tu regardes aujourd'hui sur Twitch, si on n'est pas le top streamer, tu vois ce que je veux dire. Du coup, on essaye vraiment d'avoir une moyenne de personnes avec les jeux qui nous plaît. Et si on n'est pas partenaire, de toute façon, c'est pas grave parce que nous, on kiffe les streams et tout. Mais c'est vraiment ça, c'est pour les emotes, quoi. Donc on va tout donner pour que vous ayez plein d'émotes un jour. Mais c'est très compliqué. On va aller de l'autre côté. Parce qu'il y a plein de trucs qui entrent en jeu, quoi. Du coup, Nubi, tu peux aller à un bloc de sauvegarde, peut-être. Mais il faut que j'arrive à aller de l'autre côté. Ok. Bah en vrai, t'étais pas loin. Hein. Par contre, il y a toujours le singe qu'on n'a pas eu là. Attends, va vers le singe, Nubi. Parce que là, il faut qu'on puisse faire un truc avec ce singe là. Je crois pas qu'on ait débloqué quelque chose. Pour Marteau pilon. Ouais, je te connais dans le Overwatch ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le singe? Ah, peut-être sur la barque. Ouh, on peut suivre le serpentin bleu maintenant. C'est parti. Salut Supra, j'espère que tu vas bien, gros. Alors, comment vous dire, ça a l'air pas stable du tout le bordel. Donc, ça a pas l'air évident. Non. Je peux essayer, j'aimerais me faire pardonner de vous avoir abandonné au sanctuaire. Ah oui. J'ai pas de bras. Ouais, ça va, écoute, Supra, ça va très bien. Quoi, après tous ces efforts, c'est une rame qui nous tient en échec. Il n'y aurait pas quelqu'un dans le coin qui pourrait nous aider à ramer. Le singe. Mais c'est vrai en plus. Si on demandait au petit singe remuant là-bas. Attends, mais depuis tout à l'heure, il fuit. Là, il fuit plus, c'est ça? Yannick! Bonjour, petit singe. Tu ne saurais pas où on pourrait trouver un canotier dans le coin? Oh, il lui a balancé la boîte de thon. Mais arrête! C'est comme ça que les singes disent bonjour! Il entend tout casser. Putain, faut qu'on le rechoppe, c'est un dog! Oh non, il a filé! Il a même pas répondu à ma question. Où est-ce qu'il avait pu aller? Il a acheté une conserve. C'est déjà une réponse en soi. Peut-être laisse-moi tranquille! Tu parles même pas bien singe, par exemple. Bon bah on a récupéré une boîte de thon. Mais c'est con quand même que Mario ça se paramé, hein. Ça je suis d'accord avec vous. Je peux pas aller le choper. Mais si, je pense qu'il faut que tu lui cours après, mais... Ouais, faut qu'on trouve un pro de la rame. Je pense pas que ce soit le singe le pro de la rame quand même. Tu penses? Tu crois que ça serait un détail là-bas? Eh mais non, y a non, lui. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut que tu retrouves le singe en vrai. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Moi, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde et on se retrouve tout à l'heure, du coup? Vu qu'on a fini une grosse étape. Faut juste que je trouve un point de sauvegarde. Ah, ok, ça marche. Pas de soucis, bon rangement, du coup, Izetti. Bon rangement à toi. Et franchement, il aura battu Buzz dans le live quand même, c'est cool. Il y a sauvegarde ici. Après, quand tu le reparles, ça sauvegarde automatiquement, je pense, mais... Après, le singe, il a pas pu aller super loin, si. Essaye de sauter dans l'eau. La rivière, elle est trop belle. Tu peux pas sauter dedans? C'est trop dommage, parce que ça donne tellement envie de se baigner. C'est un peu dommage de finir si près du but. Ah, on est vraiment pas loin du but, c'est ça? Bon, bah, ok, attendez, les gars. Attendez, on va trouver le singe, alors. Si on n'est pas loin... Bah, l'arbre, hein. Ah non, la feuille! Bah oui, mais la feuille, je peux pas l'atteindre. Attends, je peux essayer avec les canotiers, attends. Ouais, bah c'est ce que je me disais. Bien joué, Nubi!
Merci, tu as sauvé tous les tonnes du monde merveille. Il y a un truc simple pour savoir. Tu vois? Bon, ok. Ouais, ok, je sais. Mais on les a pas tous sauvés encore. Parce que le singe, c'est un tonne, c'est ça? Bon, faut que je retrouve le singe. Ah, apparemment, il faut que tu cherches à côté du télésiège, Nubi. Là où t'étais. T'étais pas loin. Hein? Ouais. C'est vrai? Hein? On est en train de trouver le petit singe. Les gars, on lui fait quoi? Est-ce qu'on le démembre un peu le singe? On fait quoi? Comment est-ce qu'on lui fait sa fête au singe, les gars? Dites-nous un petit peu là. Les pattes, on est d'accord, on lui pète on les lui pattes. On lui pète les pattes. Vous êtes malade. Vos petits singes. Non. Je sais pas, c'est pas en haut du télésiège ou un truc comme ça. Pour moi, ça, ça grimpe, tu vois. Par contre, j'espère que vous nous avez pas vendu du rêve avec le télésiège. Hein. Vous faire des Big Mac avec. Des beaux Big Mac. C'est bon, t'as trouvé le truc là. On a rien trouvé du tout. Par contre, on est quasiment à 30 000 pièces, ça fait plaisir ça. Attendez, qu'est-ce qu'on a trouvé? Parce qu'on a rien trouvé du tout. C'est juste l'endroit qui est derrière. Mais il y avait rien derrière. Il a tenu les styles ventes. C'était quoi? C'était pour les pièces? Ok les gars. Je croyais que tu disais que c'était pour le tissage. Le premier qu'on démembre. Ça va pas être le singe les gars. C'est être petit geek. On pensait que c'était pour le singe et ils ont emmené pour le truc pour les pièces les gars. Oh putain. Apparemment on va vers les foins. Bah après là tu sais. Il est parti par là, du coup ça me paraissait logique qu'il était par là. Ah il est reparti par là? Bah oui. Ah je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Je sais pas si les aides. Il va faire finir dans les coins. C'est un mascasse qui dort, les aides ou c'est le singe? Ça doit être un mascasse. Par contre les gars, je sais pas vous, mais là je commence à avoir faim, tu vois. Et y a pas de soucis Palou, il y a toujours l'ardif et t'inquiète, on se retrouvera à Palou, t'inquiète. Mais par contre, je sais pas vous, je commence à avoir la dalle là. Oh y'a un gars qui s'endormi. Monsieur, venu faire la fiesta. Votre calette cette fiesta. Bye Palou, merci. J'espère que t'as kiffé le live en tout cas Palou. Oh il est là. Ah trouvé. Mais en gros tout ça pour dire que j'ai grave la dalle, je mangerais bien un truc méga gras salaire, tu vois. Méga gras, c'est-à-dire ouais. Ah tu vois tacos, truc comme ça là. Tu veux pa, pa, pa. À manger. Ah je me ferais bien un taco ça. Essayer de donner quelque chose au petit singe. On va lui donner la boîte de thon ou la lève plaque d'égout? Essaie de lui donner la lève plaque d'égout. Je ne pense pas que ça l'intéresse. Ouais, dommage. Le lève plaque d'égout. Ça alors, il n'aime pas le thon. What? Peut-être que le problème c'est qu'il n'a pas de fourchette. Moi je pense qu'il faut. La boîte, faut l'ouvrir. J'ai l'impression. Mais comment on l'ouvre? Ben faut lui parler peut-être au gars qui te suit là. Qu'est-ce qu'il veut lui déjà en fait? Pourquoi il est là? Je sais pas, mais je peux plus lui parler. Et il me suit partout? Attendez, mais pourquoi il nous suit lui? Ah ouais, Supra, t'as déjà mangé, du coup on peut pas te hyper avec un truc super cool. Ouais, il a parlé de fiesta. Ouais, du coup il faut qu'on trouve une fiesta. Bah il y a l'endroit qui est en bas là, mais je sais pas c'est quoi la fiesta moi. Mais c'est vrai qu'il va rejoindre un pique-nique exactement. Non, c'est pas là. Ouais, c'est un tout petit peu plus à droite. Une fiesta de conserva. Conserva, ça me fait penser un peu à la boîte de conserve. Celui-là. J'ai apporté le manger. Manger. Ah, bienvenue à la fiesta de conserva, amigo. Je t'attendais. C'est quoi? T'es révolé. C'est ravissant. Prépare-toi à t'éclater jusqu'à l'épuisement. Ne me parle plus que l'amigo responsable de l'ouvre-boîte. Après, ce sera la fiesta. Ah, oh, faut que je trouve l'amigo qui est responsable de l'ouvre-boîte. Il est dans les fonds aussi, tu crois? Je sais pas. C'est pas lui? Ah, c'était pas lui. Ouais, y'a des autres gens qui ont mangé des trucs ultra gras là ou pas ce soir là? Parce que là, ouais, j'ai envie de manger un de ces trucs, mon gars.
C'est toujours celui, je comprends pas celui-là. Non, je sais pas grave. Du coup, t'as pas notre direct ? Ouais. Ouais, il est dans les foins, lui, apparemment. Attends. Voilà. Fruit au micro-ondes. Après, si c'est des bonnes fruits au micro-ondes, ça partit. Oh, KFC, mais vous avez grave raison. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, ça serait magique ! Mais tu sais que tu peux te faire livrer le KFC, mon gars. KFC ! Un bucket de KFC ! Il y est sur Uber Eats. Vous voyez, c'est aussi pour ce genre de truc qu'on veut pas s'éloigner de la ville. On peut absolument se faire livrer tout ce qu'on veut niveau bouffe et c'est trop bien. Un bucket de KFC, les amis, avec les frites là et tout et la sauce. Oh putain, ça, ça serait ouf, ça. Vous avez raison. Nous avons les pièces. Pommes de terre froide avec salade et un peu de thon. D'accord, fruiteur. Tu m'as pas épé là, je t'avoue. Un box master max, ça, supra. C'est tellement ça. Alice, tu as mangé quoi, toi? C'est encore un qui pique, celui-là. Mais frites au micro-ondes, si c'est les frites McCain, je crois, c'est bon, peut... hein. Ouais, c'est ça. Tu crois que c'est lui? Ah oui, c'est ça. Bah, pas du tout. Attends, au but, j'ai fait le combat. Là, tu me fais, c'est sûr, c'est ça. Je fonce droit dedans. Non, c'est pas ça du tout. Mais honnêtement, ça paraissait ultra logique, hein. T'es bien là, sur la boîte à prise. Genre, c'est l'endroit le plus sécur du monde, quoi. Un Stitch. C'est scripté. Pourquoi je suis totalement débile, H24? Pas débile. Ah, j'ai trouvé. Moi, je trouve pas débile. C'est totalement scripté qu'on saute dessus. Bah ouais, je sais. Je vais les éclater. Allez, boum. Alors, c'est fait 10 000 pièces quand même. Hein. Ah oui, il y a des vagues en plus. Hein. Il y a plusieurs vagues. Non, c'est vrai que le KFC, ils sont quand même bons, tu vois, en termes de poulet, tu vois. En termes de poulet, ils sont quand même délicieux, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est une valeur sûre, tu vois. Oh, oui, t'as plus les bottes de fer. On va faire une fleur de feu, pas le choix. On n'avait jamais fait, on n'a jamais testé encore. Bien. Ouais, 660 pièces. Bah, ils 600 étaient, ils étaient beaucoup ou pas? Bah ouais, c'était une vague. Vague et tout. C'est peut-être pour ça. Oh, attends. Ils sont pas bien à m'encercler comme ça, ces armées. Hé, hey, je cherche une fête. T'aurais pas vu une fête? Tu m'aides à trouver une fête, s'il te plaît, monsieur. Voilà, il était là, il était au milieu et s'était fait encercler, quoi. Attention. Loin de chez moi, je peux pas me faire livrer, je crois. Ah, ça c'est horrible, Alice. Je comprends, Alice. Ça c'est horrible, c'est vraiment le truc que je veux pas. C'est pour ça que quand Noob il dit oh, ça nous gêne pas trop de s'éloigner de la ville, moi ah, je veux quand est, même on être. Peut, on peut être proche sans à côté de la gare, c'est ce que je disais tout oui, à l'heure. Oui, c'est ça, on veut juste pas être en centre-centre, mais on veut pas non plus être sur le bord non plus, parce que sur le bord tu peux rien te faire livrer, c'est horrible. Retenez bien ce qu'il va dire après. Oui. Calamar frites, c'est grave bon. Ah, ça, je suis d'accord. Voilà, quoi qu'il arrive, je one shot. Oh, le bro! Merci beaucoup! Merci d'être gentil avec moi! Vas-y, mec. Oh, ma fête. Si merde, monsieur. Oh, ça y est, on est au complet. La fête de Côte d'Ivoire va pouvoir commencer. Hurrah. On va ouvrir la Côte d'Ivoire. Tu ne nous résisteras pas. L'ouvre boîte te vaincra. Pourquoi? Ah, oh, putain, il a pas l'ouvre boîte. Je me disais, ben, j'avais oublié quelque chose. Il a oublié l'ouvre boîte.
Amigo. Amigo. Tu avais une mission. Une seule. Une seule. On avait fait une réunion spéciale pour ça. Comment on fait maintenant? Nous, pour notre fiesta de conserva. On a faim. Je vous boite. C'est pour les faibles. Et je suis pas un faible. Un faible. Je suis pas un faible qui dit. Bravo champion. Avec un hôtelier pareil, on va pouvoir ouvrir les conserves à la chaîne. La fête ça, quand ça va, on peut commencer. Je suis pas un faible qui dit. Il va terminer dans mes outils. Faut qu'il ouvre ta boîte. La conserve, je croque dedans comme dans la Game of. Ça n'avait rien qui vous résiste. Eh là, c'est quoi ça dans tout loup? Je croque pas ça moi. Et tu es obligé. Non mais c'est vrai que la phrase est mythique quand même, c'est pas pour les faibles. Parfait, on va pouvoir donner à manger aux singes. Mais tu vois, ce que je kiffe, c'est qu'ils ont vraiment réussi à apporter un peu les mêmes trucs, en mode t'as un objet que tu peux faire évoluer avec les objets, les cartes comme dans Color Splash. Ouais. Sauf que du coup c'est avec d'autres types d'interactions. Du coup ça passe vraiment bien quoi. Ah tu peux essayer de faire comme lui là, Supra, exactement. Est-ce que vous croyez que le singe va manger la conserve? Moi je pense que oui. Tu pourrais essayer de donner quelque chose, bien sûr, bien sûr. Regardez ça. En voilà qui aime le thon. Il ne mange pas. Il l'engloutit. J'espère que cette fois, il ne t'étalera pas. Redemandons-lui s'il sait trouver un canotier. Je l'ai frappé comme jamais. Niam, le thon, c'est trop bon. Le thon, y'a que ça de vrai. Y'a que ça de vrai. Mais c'est Mario. Merci petit gars. Et désolé pour mes bêtises de tout à l'heure. C'est qu'à force de faire le singe, on finit par prendre le pli. Boudiou. 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 Sur le code Canucci, le seul et unique guide rameur diplômé du Mont Merveille. Guide rameur? Tu as rameur? Dire qu'on voulait justement te demander où en trouver un. Et donc, tu saurais manier la rame de la barque qui est sur le lac? Bien sûr, pourquoi vous voulez faire un tour sur la rivière? Ce serait du bon cœur et offert par la maison. Je me retourne sur mon quai, si vous avez besoin de quoi, faudra me chercher. Non mais il a parlé d'un diplôme, je suis en train de réfléchir, mais j'espère qu'IRL il faut pas un diplôme juste pour pagayer. Non c'est pas d'autre, ça me fait peur moi. On va le rattraper les gars. Mais ça serait, ça m'étonnerait même pas en soi. On en arrive là. J'ai déjà vu ça retour de ma boulangerie. Voilà, vous pourrez partir direct pour le prochain live. Est-ce qu'on embarque et on voit la nouvelle zone? Ouais. Allez quand même les gars, parce que c'est depuis tout à l'heure on est en train de faire ça. On va quand même voir la nouvelle zone. Youhou, une balade sur l'eau. C'est ce que ferme, amiral, pagaille dans le marais. Fais du ramdam à ta rame. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle zone? On part, on se casse. Olivia, elle est trop contente. Ramé, ramé, toujours ramé, rien de tel pour la santé. Amiral, sort de ce corps. Le bonheur, c'est de naviguer. L'eau, elle est magnifique. Hein. Ah, rien de tel qu'un instant de détente après une journée stressante. C'est pas moi qui dirais le contraire, pardi. Les singeries se fatiguent. C'est trop bien. T'as détesté un passage, Supra? Putain. What the fuck? Il était bien placé, Fritter. Il était bien placé. Rivière Folio. Est-ce que c'est moi ou on va de plus en plus vite? Oh, ça va partir en cacahuète. Y'a vu, on est presque rapide. Accrochez-vous, Moussaillon, ça va tomber. Elle a mal de mer, Olivia.
C'est pas une croisière tranquille. Oh, quel pôle moyen. Profite des sensations fortes. Ça te forgera un peu le caractère. Non, le fait d'avoir le mal de mer ne forge aucun caractère. Oula, ils sont rapides, c'est rapide. À croire qu'on a déversé des troncs d'œufs dans le lac, puis que ça déborde de partout. Préparez-vous à l'enfer, quoi? À l'enfer? Après, vous m'avez dit ça pour le puzzle tout à l'heure, on a réussi les doigts dans le nez. Donc du coup, je me méfie un peu. Non, en vrai, le fait que Supra, il a dit qu'il a pas aimé ça, et Supra, ça l'a dit non plus. Mais attends, quoi? C'est toi qui contrôle le bateau? Eh Maheu, je voulais pas avoir besoin de tes talents de marin. Non, je vais avoir besoin. Dis-moi par où passer avec elle, Mousaillon. Essaye pas de nous envoyer dans le rocher, hein. À choc de trop, on finit au bouillon. Ok, il va falloir que tu contrôles le bateau. Juste Happy. Un conseil, zappez pas les pièces, ok. Tu pourras pas ouvrir ton menu pendant la phase critique, garde l'œil sur le rapide. Pendant la phase critique, accrochez-vous, marin de Dieu, c'est parti. Non mais attends, l'enfer, il y a un enfer dans le jeu et ça va continuer, ça va... Par contre, c'est trop bien comme pâte artistique comme ça, là. C'est trop cool, quoi. Prends les pièces, du coup. Apparemment, je peux lancer des confettis, là. L'enfer. Ils appellent ça l'enfer, hein. Ils disent que c'est pas prêt d'être terminé. Ouais. Ah! Tu peux passer là au moins? Ah ouais. Ça a l'air méga chaud! Vous avez pas vu qu'on avait des cœurs, sa mère? Ah oui, il y a des trous à boucher. Tu vas te le reprendre. Ah non, c'est bon. Bah ouais, non, là t'aurais jamais passé nous. Ah je sais, j'ai vu ça. D'une vie pour ça. Oh, il y a des cœurs. Ouais, faut les reprendre. Ok, ça marche, ça marche. Oh, j'ai un peu flippé. Oh putain, il y avait 100 pièces là-bas. J'espère que je suis pas mort pour ça, les gars. Non, tu l'auras pas, faudra prendre en face. Oh, trop fort. 1000 pièces, ça t'a rapporté. Quoi? Ah ouais, quand t'as parlé des boulis, c'était de ça qu'elle parlait. C'est trop d'émotion, c'est pas passé loin. Ouh, c'est rick. Oh, c'est rick. Oh merde. Oh non, mince, on a raté les 100 pièces. Il est coincé? Ok. Je suis concentré parce que vous m'avez dit que c'était chaud sa mère. Oh merde. En vrai, moi je trouve que tu gères bien. Hein. Ah, mais j'ai loupé quelques pièces de temps en temps. Hein. Mais t'es foutu. Fallait que je fasse quoi? T'es foutu, tu peux pas le passer le tourbillon aussi? Ah, j'ai qui me dit. Bon, faudrait qu'on le refasse, mais... Nous ne sommes pas morts!
Mais j'ai pas compris le tourbillon, moi. Bravo, Moussaillon. Nous voulons la sortie dérapée dans un morceau. Alors, ça va être du tour, pas vrai? Ça fuit un peu, mais... Il a un trou, ton bateau. Enfin, un ou deux. On a frôlé la cata d'un peu trop près à mon goût. Surtout que je sais pas nager, moi. Tu t'es pas foulé sur la pêche aux pièces, hein? C'est qu'il y a un prix à la caisse, tu les chopes toutes. Mais attends, c'est pas foulé. On en a chopé plein, plein. Mais attends, pour le 100%, il faut récupérer toutes les pièces sans en rater une, c'est ça? Mais genre, une seule? Genre n'importe quelle pièce? Oui, ok. Je ne me rappelle pas si j'ai déjà voyagé en barque, mais je trouve ça plutôt agréable. Des 2 secondes avant, on a failli mourir dans des rapides, mais ça va, c'est agréable. Agréable et pratique, on peut suivre le serpentin bleu sans se laisser distraire. Prochaine station, Moussin. Ouah, mais ce défi, il est méga chaud en vrai pour le 100% quand même, hein. De choper toutes les pièces comme ça. Bienvenue à Shogunland. Shogun Tonight. Ah non, pas lui. C'est drôlement imprévu ce bazar, vous pouvez me croire. Il y a des spectacles, des distractions, tout le tintouin. Attends, j'ai bien entendu, tu veux dire que c'est... Un parc d'attraction. Allez, on y va. Allez, Mario. Puis au loin là-bas, c'est le château de Shogunland. Tout le monde le connaît, celui-là. Oh, mais c'est un pantin bleu, ça roulait autour du château. Eh bien, si je m'étais douté qu'il nous mettrait ici, wow, que faire, que faire? Je ne vois qu'une solution, Mario. Il faut qu'on aille à Shogunland. Pas le pas choix. Le choix. Bah, bon, on entre. Reste pas planté là. Les gars, on arrive à un parc d'attraction, du coup. C'est pas toi qui disais de pas se laisser distraire. Tu es sûr que tu resterais concentré dans un environnement pareil? On peut aussi continuer à descendre la rivière, hein. Il y a le vol au vent pas loin. C'est toi, chef. On va... débarquer ici. Ouh, je savais que j'arriverais à te convaincre, Mario. Compris, je veux bien, vous savez, je vous attends là. Ça va être super, je le sens. Shogunland, nous voilà. Les amis, il faut savoir que je vais peut-être pouvoir m'inspirer de Shogunland pour ma ville d'Animal Crossing. Hein. Sa billetterie. 3 personnes maximum par ticket, une sortie définitive. Merci Mtendo pour le casino. N'hésitez pas à dépenser vos croquettes en tickets, les amis. Oui, n'hésitez pas. Ah, c'est gratuit tout, quoi. Être une habituée au parc. Ah, d'accord, c'est pas ok, ça marche. Bon, bah, on va prendre le pass royal, hein, ça coûte un peu ch... Merde! J'ai pris le pass populaire, ça fait chier. Fais chier! Je sais pas pourquoi je t'ai dit d'économiser, effectivement ça coûte cher! Fais chier! Voilà, bah les calés. C'est un Toad. Le Toad en cœur, quoi. Wow! Magnifique! La mort t'échappe, sois la bienvenue chez les champions des cœurs perdus. Magnifique. À Toadville, pour t'aider du cœur, l'édifice de briques rouges. Attends son heure. Ok, si. Le casino referme ses portes. C'est Nintendo qui a gagné le plus de croquettes. Avec 150 croquettes. 150 croquettes. Et Anna, ouais, la personne qui a perdu le plus avec 400, moins 406 000 croquettes. 406 000 croquettes. Ça fait mal. Ouais, c'est pas les. Ça fait 150. Un peu mal. Mais en attendant, les amis, ça fait 3 heures qu'on est en live. On va afficher le classement. Parce qu'on va vous remercier, bien évidemment. Mais juste avant. On va aller sur la scène principale. Non, mais ça va, bien sûr, Anaous. Il aurait pu être pire. Il aurait pu être pire, bien évidemment. Les amis, on va afficher le classement d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. 3 heures sur Paper Mario. On a fait des boss. On a bien avancé. J'espère que vous avez kiffé. Merci à Temgon, Anao, Kishi, le petit geek, Supa, Mogwai, Matix et Katena Barai qui sont premiers de ce classement. Merci beaucoup à vous. Merci à Alissan qui est deuxième. Et c'est Shiru. Qui est troisième. Merci beaucoup à vous. Merci à Sky, Palou, Dorilo, Fritter, Izetti, Nintendo et Vimix de faire partie du classement. Et bien évidemment, merci à tous les autres qui ont été là ce soir. On espère que vous avez kiffé le live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je suis plus à 1 million près, bah je me doute à Nao. Normal qu'on ne voit plus notre pseudo en gras dans le classement. Bah ça, je sais pas. Ah, je sais pas. Faut... On peut en parler à Azu. Si... Vous voyez ouais, pas mais j'ai pas l'impression que ça a grave changé. Mais, ou est-ce que c'est peut-être...
quand vous êtes sur smartphone ou autre, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je dirais peut-être plus que c'est Twitch qui a fait un truc du coup, mais je sais pas parce que nous on n'est pas dans le classement donc. Du coup, c'est difficile à dire quoi. C'est difficile à dire. Mais du coup, voilà. On espère que vous avez bien kiffé. On a fait plein de trucs, Bouddha. On est entré dans le temple et on en est ressorti. Et on en arrive à un parc d'attractions là. On a vaincu le split de l'eau. Ouais, grave. Moi sur PC, je le voyais souligné. Ok. En voyant Grabasupa, je sais pas du tout, mais Anao voit bien son pseudo, en tout cas, surligné sur PC, en tout cas. C'était génial, bah tant mieux si t'as fait plaisir. Tu vas kiffer le parc. Ah bah Tenkon, je pense, et Ratsunet. On a hâte de le tester, ce parc. Ça va être trop bien. Mais du coup, les amis, on va vous laisser juste un temps, on reviendra probablement là ce soir pour jouer avec vous. On sait pas encore totalement voilà, des jeux multijoueurs. Là, on a fait notre petite session jeu solo. Ouais. Et après, ça va être des jeux multi du coup. Je pense mais que du ça coup, va être on va aller manger un bout parce que. Miam miam. Ouais, miam miam quoi. Attendez, vous avez faim aussi là. En plus, vous n'avez parlé que de la malbouffe depuis tout à l'heure. Donc tu vois, il faut que. Voilà, il faut qu'on mange maintenant. Bon appétit pour les frites. Merci, merci beaucoup. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Discord. N'hésitez pas à vous follow si c'est pas encore le cas. Si vous voulez voir les prochains lives, si ça vous donne envie ou autre, pour avoir les notifications, de mettre la petite cloche et tout, n'hésitez pas. Merci aux animateurs pour leur travail et merci aux modérateurs également. Merci à tous ceux qui possèdent un bêta. Parce que ouais, merci ça à tous les bêtas. Énormément. Ouais, vraiment. Exactement. Donc merci infiniment à tous ceux qui sont là, exactement. À tous ceux qui ont des bêtas, à ceux qui donnent des bits, merci beaucoup. Ça aide de ouf. Du coup, on vous fait des bisous. On vous dit à tout à l'heure. Et puis à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Jean. Bye bye. Bon appétit. Aïe, coup dur.